Adonai, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta fidélité. Elohim, notre Dieu, notre Père, nous voulons trembler dans ta présence devant ton trône de sainteté, ton trône saint. Dieu, tu es saint. Oh, alléluia. Magnifique est ton nom. Glorieux est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Elyon est ton nom. Alléluia. Yeshua, Dieu de gloire, Dieu d'Israël. Seul ton nom est élevé, Seigneur, sur la montagne de Sion. Tous les anges sont à genoux et t'acclament, toi, le seul maître que nous reconnaissons, que nous adorons, Seigneur de gloire. Oh Dieu, reçois les acclamations, la gloire, la louange, l'honneur, la majesté. Dieu est parmi son peuple. Dieu est présent parmi son peuple. Oh Adonai, Père, reçois l'adoration. Nous t'en supplions. Nous voulons nous incliner afin que toi seul sois élevé. Seigneur, tu es élevé au-dessus des cieux. Oh Adonai, Père, au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Assis sur son trône, il règne à jamais. Assis sur son trône, doudou, tu règnes. Jésus, oh.
ensemble. Debout pour toi, Jésus, Jésus, il est là pour toi, Jésus, Jésus, il guérit, il libère, il rachète, Jésus, 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 Jésus s'est levé, Jésus s'est levé, je suis affranchi, je suis affranchi. Je suis affranchi, je suis affranchi. Alléluia! Je suis affranchi. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré. Alléluia. Dieu travaille. God works. Wow. Il y a un frère qui a un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. There's a brother has a testimony of what the Lord did in his life. Et il veut rendre gloire au Père. And he wants to give the glory back to the Father. Yeshua. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? What did the Lord do for you? Pardon. Bonjour l'assemblée. First of all, I greet the church. Je crois bien vers fin mai. J'étais ici. At the end of May, I was here. Mais j'avais les chaussures orthopédiques. I had a specific shoe. Alors, apôtre, enfin, la communauté, vous avez prié pour moi. So the church prayed for me because I had a problem on my foot. For my arthrosis. Ah, pardon. Pour mon arthrose. I had arthritis. I had arthritis on my foot. So after they prayed for me, the brother had said, he will come back with normal shoes. So, God is great. From here now, I felt like my right foot was all right. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? I felt something le pied gauche, maintenant c'est le pied droit. I felt something leaving from my right foot going to the left foot.
Je suis rentré à Paris. After when they prayed for me, I went back to Paris. Le 11 juin, and June the 11th, je suis parti à Kinshasa. I went to Congo, Kinshasa. J'avais les chaussures orthopédiques sur mes pieds. I still have my medical shoe. Bon, les 12, je devais faire les démarches. And on the 12th, I had to run errands. Vous savez, tu viens de l'Europe avec de telles chaussures. So you know, when you come from Europe with such shoes, mais ça ne va pas. It's not right. Mais je n'ai pas de discernement. But I had no discernment. Que Dieu avait déjà guéri. I did not discern that the Lord has already cured j'ai me. J'ai mis des chaussures qui me serraient comme ça. So I was wearing tight shoes like that. Devant, je vous dis, I'm telling you, du 12, on the 12th, jusqu'à ce jour, till today, jusqu'à maintenant, till right now as I'm speaking, je n'ai jamais remis I've never worn those medical shoes anymore. Qu'est-ce que je peux faire encore? What can I do still? What else can I do? Je viens seulement remercier Dieu. I just come to glorify the Lord. Pour voir son accomplissement. For the accomplishment of my disease. Envers moi. Thank you for what he did to me. Ce que Dieu fait en moi. For what the Lord is doing within me. Non, c'est trop. It is too much for c'est me. Beaucoup. It is a lot. Je crois bien vous me voyez dans des divers DVD. I think that you saw me already on various videos. À Liège, j'avais témoigné. In Brussels, I had this fight. Et maintenant, il y a les colonnes vertébrales. But now on my spinal c'est cord, parti. The problem that I had on my spinal cord, disque caput. Left. I had six discs. Le diabète a disparu. Le Seigneur l'a fait. Diabetes disappeared. The Lord cured me from my disease. Scanner. Il y a rien. I did je suis comme un jeune. X-screen. And now my back is like the one of a young. Amen. Ne murmurez pas avec notre Seigneur Dieu. Do not murmur against our God. Si vous ne comprenez pas la parole, pardon. La voix de Dieu. If you don't understand demandez the voice toujours of God, dans la prière. Always ask for it in prayer. Moi, je quitte l'Allemagne. I'm going out from Germany, not to follow Dieu a man, but I follow the God that is within him. Parle, ce n'est pas de lui. What he speaks about is mais not from Dieu. Him, but it's God through him. Moi, je suis, comme on dit quoi, témoin vivant. I am just a living witness. Oui, parce que I am a living witness because je I was here. I can bring you de the papers of the scanner. Je peux vous amener the scanner test. I can bring you the papers of the doctor. J'ai rendez-vous le 7, I have an appointment on the October 7th. J'ai dit à docteur, je ne viendrai pas. And I told him I won't come. Mais quoi faire? To do what? Quoi faire? What is he going to do? Alors, j'ai quoi faire pour me dire encore, to tell me that I have other diseases? Non, je ne viendrai pas. I won't come. Je ne peux pas mettre le micro, les gens disent ils n'entendent pas, les gens n'entendent pas. Le micro. Bon, donc j'ai dit que je ne viendrai pas so et je ne peux pas mettre Dieu en doute. And I will not doubt. I will not le scanner doubt. A échoué. The scanner test je porte failed. Des chaussures. I wear normal shoes bon, right now. Que... So what dis-moi, is it that dis-moi. I have to still discuss with you right now? Hein? Vous me donnez, oui, je viens d'Allemagne chaque fois je suis. I come from Germany. Je quitte l'Allemagne, je I viens prier et je rentre here to pray. Comme nous disons que nous sommes venus comme ça, nous allons rentrer transformés. We came in a certain way, but we will leave this place different. Il faut avoir confiance, prier, in God. Accrochez-nous. We must pray and hold on to the Lord. Le sauveur qui ne paye rien. J'ai l'expérience à Kinshasa, ils ont vu les chaussures, je n'ai jamais hope. Porté. In Kinshasa, people saw the shoes that et I was ici, wearing. En Allemagne, in ils Germany, voient ça. They les chaussures sont devenues poussiéreuses. Ouais, je ne portais pas ça. I couldn't wear normal shoes. Qui coûtait 700 euros. I was wearing shoes that whose cost was 700 mais euros. Mais les qui coûtent rien, gratuit. But now, gratuitement. The healing doesn't cost anything. Non, here's the proof. Je peux jouer le football, c'est ça. I can play soccer right now. Oh, oui, c'est ça. Ça, ce n'est pas orthopédique. C'est des chaussures normales. Non, c'est normal. Normal shoes. Dis-moi, tu avais aussi, quand tu avais le diabète, là, tu avais aussi un passeport pour le diabète, oui. Les diabétiques. So oui. When we you had diabetes, you also had maintenant, a passport for diabetes. Ça est dans mon tiroir à la maison. Hein? Ça y est, oui, j'ai des passeports diabétiques. So vous had, savez, nous, les diabétiques, diabetes il faut avoir passport ça pour avoir un pays des accès. In order mais non. To give you some access dis, to some place with this je passport, vous dis, j'étais à Kinshasa, je n'ai pas fait les tests. Je suis resté 45 jours.
And I stayed 45 days. Là où les médicaments sont difficiles, les traitements difficiles. Where the treatments and medicines are, you know, hard to be. Avec mon Dieu. Est-ce que tu as payé pour être guéri? Did you pay for anything? Mais je vous dis, ça fait combien de fois je vous parle de diabète, je vous parle de colonne vertébrale. Et maintenant c'est les pieds. And right now it's my foot. Allô. Je n'ai rien payé. I paid for nothing. C'est gratuitement. It is all free. Il y a beaucoup m'avaient vu au mois de mai ici. Quand l'apôtre disait qu'il va nous revenir avec des chaussures normales. Alors qu'il y a bon, voilà. Maintenant je suis. Now here I am with my j'ai des chaussures normales. I have normal shoes right now. Eh? Vous savez à Kinshasa faire des kilomètres et kilomètres à pied. Kinshasa, when you walk kilometers mais on ça, foot. Ce n'est pas ça. Hein. Ce que je portais, c'était les. It's not what I was wearing. On dit ça en Lingala, les boussongé, les pointus là. You know those type of shoes les that are pointed. Close shoes that are pointed. That's mais ce que I was je portais, vous savez à Kinshasa, il faut être à la mode. Ah oui, j'étais à la mode avec des pointus comme des jeunes, des souliers là normal. Mais je marchais à pied, je faisais matongé, yolo matongé à pied. Ben, si Dieu n'était pas là, so if God was not qui here, pourrait être là? Who qui could be there? Dis-moi, les docteurs? Tell me, physicians? Non. No one could be there. Croyons à Dieu. Let's Alleluia. Believe in God. Dieu est vivant. God is dead. God is alive. Hallelujah. Wow. Eh ben, tu rentres avec tes chaussures normales. So now you go back home Amen. With your normal shoes. Alléluia. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Who else has been cured by the Lord? Vous avez été guéri par le Seigneur? Have you been healed by the Lord? Vous avez été guéri? Have you? Le Seigneur guérit beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour. Oui, bonjour. Le micro plus fort. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Good morning to everybody. Oh là là, c'est lourd. Non, c'est dur pour moi. It's really hard for me. Oh Seigneur, j'arrive pas à parler parce que il y a des larmes, il y a des mensonges, il y a tout. Mm-hmm. Donc, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cou, j'avais les serpents de 5 mètres. C'était le 6 septembre, j'étais ici. Mm-hmm. Avec les serpents de 5 mètres. With 5 meter long donc, Dieu m'a guéri à ça. The Lord healed me from that. T'as plus de douleur, t'as plus rien. Non, franchement, c'est bon. Alléluia. Franchement, je j'arrive pas à dire. I don't feel anything anymore. Je me sens bien. Amen. I feel all right. Je me sens bien. Donc, I used to have headaches. Donc, je manque des mots. Back pains. Les serpents de 5 mètres qui étaient ici. 5-meter long serpent was inside of me. Donc, j'ai béni l'Éternel. I bless the Lord. Il est merveilleux pour moi. Je manque des mots. Marvelous for me. Je sais pas. I don't know what to say. Et les 6, j'étais là avec on the 6, I was here with this 5-meter long serpent. Vous m'avez vu là, j'arrivais pas à voir, monsieur, comme ça dans les yeux. T'avais peur? Voilà, il y avait les serpents sur moi, donc there was a serpent on me, and I couldn't see. Les serpents de 5 mètres, donc j'étais là avec les serpents. Il avait bien 5 mètres, alléluia. Donc franchement, je pleurais tous les jours, j'avais mal à la tête, je pleurais avec mes... Donc je pleure tous les jours, j'ai mal à la tête avec mes enfants. J'ai trois enfants, mais j'ai souffré tous les jours. Ça faisait combien de temps que tu avais mal à la tête? Depuis longtemps, ma frère. Depuis c'était 2001, je suis venue ici. Ça me fait mal, on me prie comme ça, ça part comme ça, ça revient, c'est toujours comme ça. Tu avais des médecins? Oui, j'ai vu des médecins, les scanners, les IRM, il n'y a rien. Donc Dieu me fait grâce. Et là, tu n'as plus mal depuis la délivrance? Depuis que le serpent de 5 mètres a été chassé. Oui. This serpent, the 5 meter long serpent. Non, mais Dieu merveilleux. Donc, je vous dis, il faut suivre ces dieux-là. Avec les trois enfants, je souffre avec les trois enfants. À un moment, je pleure. Non, je pleure comme ça tous les jours. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cou. Il y a tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Now, y a rien. Là, anymore. C'est fini. En tout cas, j'ai béni les dieux. Alléluia. Les serpents de 5 mètres par terre. Alléluia. Depuis 2001, elle avait des maux de tête, elle avait mal partout. 2011, she was suffering. Elle est partie voir des médecins. She went to doctors. Personne n'a pu déceler l'origine de cette souffrance. Nobody could diagnose the root of this disease. Car les démons, on les voit pas avec les scanners, avec les appareils. Demons with scanner tests and everything. Il faut le Saint-Esprit. We need the Holy Spirit for that. Jésus-Christ l'a délivré. And Jesus Christ delivered her, and now she's free. Qui d'autre a été guéri? Who else has been healed by the Lord? Le Seigneur t'a guéri de quoi, mon frère? Tu peux juste te lever là où tu es. Là, il faut rallumer. Appuyez dessus. Ça s'en fait.
Voilà. Bonsoir. Alors, je souffrais de diabète, hypertension, high blood pressure, d'hémorroïdes, d'insuffisance rénale, du rein droit. And a urinal et je mangeais plus du sucre, du sel depuis des années. Ma femme est là devant moi, elle peut le témoigner. My wife is right here, she can testify. Elle peut se lever pour confirmer. Voilà. Donc, celle qui m'a amené le premier jour que j'ai fait plein de sang dans les cuvettes. Celle qui m'a amené, elle a eu peur, elle a payé le taxi, elle m'a amené d'urgence à l'hôpital. Et c'est là qu'ils ont découvert en 2003 que j'avais le diabète et le taux de sucre était trop monté. Alors j'ai souffert pendant 13 ans. So I've been suffering with that voilà. For 13 years. Ça m'avait défiguré, un visage de masque. Et aujourd'hui, je reprends mon visage. Right now, c'est ici que je suis venu. Par un collègue de service que je nomme pas, mais qui est dans l'assemblée, qui sert ici, à Évry. Et c'est lui qui m'a dit, mais tiens, il m'a regardé. Il a eu pitié de moi au travail. Il m'a dit, mais tu peux venir avec, tu peux venir, il y a TV de vie, tout ça. Et après, bon, il a laissé, il m'a donné la carte. And then he left me, gave me the card. Je dis, oh, les pasteurs, les pasteurs, c'est compliqué. Donc really après, hard. Je dis, bon, quelque chose m'a dit, il faut regarder. So told me, je suis allé sur Internet, j'ai regardé. Then I went on Internet and I watched. Et j'ai vu ce qui se passait. And je I saw que what ça, was going on here. Donc je suis venu ici. So I came here physically. J'ai pris mon épouse et I nous sommes venus. My wife along and we both came. Et on a... Elle n'y est pas encore, mais elle va y être. Ça va bien. Ça va faire bien. Alors donc... Le 5 septembre, j'avais rendez-vous avec le médecin pour faire encore le bilan. Ils ont fait le bilan. Le médecin me voit et me dit, mais tiens. And the doctor saw me and he told me, Monsieur Kwasi, sir, je suis très étonné. I am really ça me dépasse. I am overwhelmed. Vous êtes comme quelqu'un qui n'a jamais, jamais, jamais eu de diabète. You're like somebody who never had diabetes. Au nom de Jésus. Je vous dis que depuis que je suis venu, que l'apôtre Chura a prié là pour moi, me, il ne m'a pas imposé la main. Il a dit le Seigneur visite quelqu'un ici. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'aujourd'hui il est libéré de diabète, d'hypertension, de comment vous appelez ça, hépatite. Voilà, j'avais hépatite, j'avais aussi hépatite C. Tout cela, il dit le Seigneur libère quelqu'un ici. He said, the Lord wants to deliver. Et le frère here. Qui m'a amené, qui m'a montré and ici là, il m'a regardé de loin here. Comme ça. He looked at me from a distance. Et j'ai cru. And I believed, j'ai cru parce que Dieu peut faire beaucoup believed de choses. That the Lord was speaking et the je suis parti, Seigneur, c'est moi vraiment. And I told the Lord, if que ta volonté me, soit faite. Let your will be done. Et aujourd'hui, tout and today, a été confirmé. Everything has been destroyed. Alléluia. A été créé par toi et pour toi, Jésus. Jésus.
rendez compte? Can you realize that? Ce que Dieu fait. What the Lord is doing. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il fait? Can you realize what he's doing? Le diabète est parti. The diabetes is left. L'hépatite C est parti. Hepatitis is left. La tension est partie. The high blood pressure problème de rein est parti. The different kidney problems that he had left. Le médecin était étonné. The doctors was astonished. Dieu dit, a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Is there anything astonishing for me? Ouais. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi, mon frère? Bonsoir l'ensemble. Good evening, bonjour. Everyone. Bonjour. Je remercie le Seigneur. I bless the name of the Lord. Il m'a guéri de trois choses. He healed me from three things. La première. The first thing. J'étais à la maison. I was at home. Je regardais TV de vie. And I was watching TV de vie. J'avais tellement mal au ventre. And I was suffering so much from my belly. Depuis quelque temps, je souffrais en fait des remontées d'acide. C'était tellement désagréable. And I was suffering from acid. Et it was je regardais so unbearable. And I was TV watching TV de vie. Il y a eu un moment où j'étais vraiment très mal. And I was a très, moment très mal. I was feeling very very bad. Et j'ai dit à ma femme, I told my wife, c'est bizarre, mon ventre est en train de bouger comme une it's femme. Weird. My womb is, et I mean, my belly is moving like a woman's womb. I don't know what's going et on with me. Et tout d'un coup, and all of a sudden, quand la prière est finie, when the prayer was ended, j'ai senti un apaisement. I felt like an appeasement. J'ai dit wow, j'étais soulagé en fait. And I was really relieved. Et j'ai senti vraiment que ces remontées acides désagréables qui remontaient à chaque fois, feelings that I had, qui me mettaient très mal à l'aise, étaient partis en fait. That was embarrassing a lot left. Et ça, je remercie vraiment le and Seigneur I truly pour ça. Bless the name of the Lord for that. Pour deuxième chose, second thing, c'était un problème d'intimité. It was an intimate, a private problem. J'étais tellement gêné, je voulais voir le prêcheur Ora, mais I ce jour-là, so il était indisponible. Confused, but I wanted to see the brother, but it was not. Je suis allé voir le frère Laurent. He was not available, and I went to see another brother. Je lui ai demandé, je lui ai parlé en and fait I asked de mes him, I told him about my problems. Il a prié pour nous, he prayed moi for, et madame. For both me and my wife. Et depuis là, ça fonctionne très and bien. And since then, everything is right. Je remercie vraiment le Seigneur. And I truly bless the name of the et Lord. Troisième chose, and the third thing, j'étais à Ivry ici. I was here in Ivry. J'étais assis au fond. I was sitting at the j'avais, back. J'avais un problème au niveau de la jambe. And I had a problem on et my leg. Le nerf qui me tirait à chaque fois que je marchais plus d'une heure. I had a nerve that was pourquoi. Dragging me while et I was walking more than 1 hour. The Lord visited et me. Et je comprenais pas, j'avais une and douleur I intense. I had a, you et know, je résistais, intense je résistais, je résistais. And I was resisting, resisting, resisting. Mais qu'est-ce que tu as? And my wife told me, what's going on with you? Je sais pas. What's wrong? I said, I don't know. Franchement, ça fait tellement honestly, mal, je really peux même pas bouger. I can't even move. Et je suis parti. And then I left. Quelque temps après, j'ai senti que à chaque fois je marche plus d'une heure, a while after, I felt like I was when I was walking more than 1 hour, I couldn't feel any pains anymore, and I figured out that the Lord was great. On doute. Sometimes we doubt. Il faut le rendre gloire. But we need to give him grace anyway. C'est lui to qui give fait him tout. All the glory anyways. J'ai été refait à neuf. Wow. Il t'a guéri le Seigneur? Ouais. Il t'a guéri de quoi le Seigneur? What did the Lord heal you moi, en étant bébé, quand j'ai eu un grave accident, when I was a baby, I had a very serious accident. J'ai été brûlé avec ma maman. I was burned. J'ai eu la polio et en grandissant, le problème c'est que le médecin commençait toutes les semaines, j'étais au docteur parce que j'avais commencé, je pouvais pas marcher, mon corps était and growing up, I couldn't walk because I had a polio. Mm-hmm. And en grandissant, il y avait rien à faire. Doctors told me that tout dans les mains, ils avaient rien du tout parce que je ne comprenais pas parce que quand ça, je payais, mais il n'y avait rien du tout à côté. Et je disais à ma mère, mais ça ne sert à rien, ça commence à m'énerver. And I was getting on my nerves. Quand j'ai connu le Seigneur, quand ça, je lui ai dit, mais Seigneur, on when dit I, toujours que tu fais des, quand Lord, des prodiges, des miracles. Moi, mon corps est complètement foutu et personne n'a rien à faire. And you need to do something for me. Et quand ça, ben, c'est vrai que quand je suis venu au Seigneur, ma vie, elle n'était pas du tout en règle. Ça m'énervait. Tout m'énervait, les gens m'énervaient, tout le monde, même le pasteur m'énervait. You know, et comme ça, je disais toujours, mais il m'énerve, il est toujours en train de dire la parole, et puis c'est pas vrai. Moi, je vois rien dans mon corps, et puis, puis une fois, je lui ai dit, mais écoute, maintenant, il y en a ras, bon, là, je me casse. Mm-hmm. Et puis, maintenant, tu ne me verras plus du tout à la maison.
ici. Alors, il me dit, maintenant, il faut insister. Ben, je dis, attends, ça fait 10 ans que j'insiste. Il n'y a rien à faire comme ça. C'est pas possible de voir ça. Et je pleurais chez moi, je fumais, je commençais à boire. Et puis, au bout de 25 ans, là, je suis venue il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. 25 ans d'années que commençait que je me voyais toujours pareil. Et je me cassais la figure, j'ai les genoux en ruine. On m'a fait une grave opération du dos. Et j'ai une plaque dans le dos avec deux tiges et 5 vis. L'opération a duré 5 heures. Et on m'avait dit, le docteur, le professeur qui m'a opéré m'a dit, il est venu le lendemain, il m'a dit, j'ai quelque chose de grave à vous dire. Alors j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il y a encore? Et j'ai dit, ça y est, c'est bon. J'ai dit, moi, après, dans 8 jours, je repars chez moi. Et il me dit, comment ça? Ben, j'ai dit, oui. Ah, il me dit, bah, vous êtes pas pareil que les autres. Ben, j'ai dit, non, j'ai dit, c'est normal, j'ai mon Dieu. J'ai dit, alors il me dit, je vais vous annoncer quelque chose, c'est que quand on vous a descendu au bloc opératoire, j'ai dit avec mes collègues, on va leur monter les pieds devant. Ben, j'ai dit, vous vous êtes trompé, vous voyez, j'ai dit, mon Dieu est plus fort que vous. Et j'ai dit, le tombeau, c'est pas encore pour maintenant. Hein. J'ai dit, hop, terminé. Et puis je suis venu ici, et mon corps commençait, la colonne vertébrale, il n'y a rien qui tient, enfin, comme tout est tordu. J'ai le garage de chez moi, c'est pas beau à voir. On m'a condamné à la chaise roulante à l'âge de 25 ans, j'en ai 57. Donc, comment ça, je me dis, mais Dieu, il est plus grand que la chaise roulante. Hein. J'ai dit, alors là, j'ai dit, mais gaillard, vous ne m'aurez pas comme ça, j'ai dit, Dieu, comme c'est même. Amen. Alors, j'ai dit, de toute façon, il a tout porté en croix, et c'est vrai que j'ai mes amis qui m'encouragent. Là. Et hier soir, on a prié comme c'est chez eux. Et ça fait au moins 50 ans que je n'ai pas fait la chose. En bain, quand hier, j'ai dansé. Alléluia. Et là, je me debout et je danse. Tu as dansé hier soir? J'ai dansé hier soir. Ah ben, ils peuvent le dire. Alléluia, gloire à Dieu. Et alors, ben, j'ai redansé. Ah ben, avec joie. Et en bain, quand le monsieur qui disait, là, pour ses chaussures orthopédiques, moi, j'en ai 7 paires à la maison. 5 paires? Ah ben oui, j'en ai 7 paires, mais il n'y en a pas une qui me va. D'accord. On va prier pour les pieds, alors. Je ne sais pas pourquoi, de toute façon, j'en sais rien. Moi, j'ai des chaussures, c'est des chaussures de clown. Hein. Mais c'est pas grave. Et je suis venu ici, j'ai dit, mais de toute façon, le Seigneur, il va me rétablir. Alors, hop, terminé. Puis de Gaza, c'est rien du tout, j'aurai des chaussures comme les autres. Alléluia. Puis au niveau du langage, ben, c'est pareil, il va me donner une belle voix. Puis il me donnera peut-être un mari. Alléluia. Ah ben, hein? Amen. Ah ben, gloire à Dieu. Voilà. Eh ben, elle a fait une belle demande, là. Alléluia. Alors, bon, ben voilà. Maintenant, ben, le Seigneur, il va faire quelque chose. Je vais la lettre est postée, elle est partie, là, c'est bon. Et en plus, j'ai obtenu un logement. Ça y est. Gloire à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, si j'ai un logement, il me faut deux chambres. Parce que comme ça, ce sera pour accueillir les frères et les sœurs et les pauvres. Alors, le Seigneur l'a fait. Gloire à Dieu. Voilà, donc comment ça, ben, dans 2 mois, je serai dans mon appartement. Alléluia. Et ben, quand tu viendras dans la Champagne, ben... Avec joie, on passera avec joie. Alléluia. On dépêchera une bouteille de champagne. Amen. Avec les frères et les sœurs qui viendront. Alléluia, bon, avec joie. Alléluia. Amen. Et puis merci Seigneur, parce que le Seigneur est plus grand que toute chose. Tu vois, comme un con dans ce monde-là, c'est un monde pourri, je peux le dire. Parce que quand c'est moi, quand c'est, j'ai vécu des choses vraiment incroyables. Parce que quand c'est les handicapés, on est mal vus. Et c'est vrai qu'on nous prend pour des pingouins et puis tout ça. Et moi, je me dis, mais c'est après, j'ai commencé mes amis qui sont à Berck et dans le Nord. Et je sais comment ils sont traités. Il y a que l'argent qui compte. C'est incroyable. C'est vraiment dégoûtant de voir ça. Et moi, je leur dis, mais alors, ils me disent tous, mais... À chaque fois que tu repars, on pleure. Mais j'ai dit, mais attendez, je prie pour vous. J'ai dit, comment ça, vous avez la grâce que moi, je prie pour vous. Ça va se faire. J'ai dit, n'ayez pas mal, il l'a fait pour moi. Alors, ben, ils sont contents, ils sont dans la joie. Et ils sont... Mais c'est vrai que c'est dur pour eux, parce que comment ça, c'est pas évident. Hein, de commencer à ne pas pouvoir marcher à 20 ans, parce qu'on a eu un accident, ou qu'on a eu un diabète. Ou on a eu ça. Mais nous, on a la grâce de commencer d'avoir les... Une seule, d'avoir commencé des frères, des sœurs, un homme de Dieu, comme on sait, que Dieu parle à travers sa bouche.
Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment touché parce que ça fait... Je cherchais Dieu, mais quand on sait, dans les églises, je ne le trouvais pas. C'était quand on sait quelque chose qui... Je ne comprenais pas pourquoi que je ne le trouvais pas. Même si, quand on sait, il y a des fois, je marchais de travers. Et c'est vrai, de toute façon, je suis comme tout le monde, je ne suis qu'une pécheresse. Mm-hmm. Mais dans les églises, je ne voyais rien. Je ne voyais plus de miracles, je ne voyais plus de délivrance, rien. Et je me disais, mais à quoi que ça sert de continuer comme ça? Mm-hmm. Et mes amis m'ont dit, mais attends, nous, on a trouvé quand même c'est notre Dieu. Ils m'ont expliqué. J'ai écouté, j'ai dit, ah ben là, moi, à un moment, j'y vais. Hein, là, maintenant, c'est bon. Hein. Mm-hmm. Et quand je suis venu, alléluia. Amen. Alors là, et c'est un plaisir pour moi de venir. Amen. Alors, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans merci. Dans tous vos projets, dans tout ce que vous allez faire. Amen. On prie aussi toujours pour vous. On est dans la Champagne. Amen. Mais on sait que quand on sait que Dieu fera son œuvre, mm-hmm, et que les petits cartons, ça y va en ce moment. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Ouh. Tu as fait plusieurs demandes aujourd'hui. Il y a plusieurs lettres qui sont envoyées au Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Parfait. C'est noté. Glory to God. Les personnes qui sont venues pour la première fois, all those of you who are here for the very first time, est-ce que vous voulez bien vous lever afin que nous vous recevions avec joie au nom de Jésus? Soyez les bienvenus chez vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir en tout cas. Happy to have you here along with us. À la fin, si vous le souhaitez, on pourra échanger. We may talk. Que Dieu vous garde. May God keep you. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci. Thank you, Jesus. Le Seigneur t'a guéri? De quoi? Tu es parti voir un médecin? Tu n'avais plus de règles. Et là, c'est bon, c'est réglé. Les règles sont réglées. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous avez été guéri par le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour, c'est la première fois que je viens ici. The first time I come here. Non seulement j'ai été guérie, mais je viens aussi rechercher l'autre partie de la guérison. Not only was I healed, but I also come to seek the other part of healing. Parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses qui se passent ici. D'accord. Et en fait, normalement en 2013, je devais mourir. En 2013, in 2013 I was supposed to die. D'une maladie qu'on m'a jeté de la folie. Of a disease, I mean foolishness, madness. En 2011, on m'avait déjà lancé cette maladie de la folie. They had already cast this disease of madness on me. I was supposed to get lost. Mais quelqu'un m'a sauvé, il a appelé les pompiers, ils sont venus me chercher de toute urgence. J'ai été incarné dans l'hôpital psychiatrique. When I had a crisis, they called the paramedics. They came and they took me to the hospital. And when I was healed, I went back to my country. Les parents, peut-être que c'était ça qui me dérangeait. Ils ont conclu que c'était peut-être pas ça, parce qu'en 2012, quand je suis rentrée, j'ai fait encore une rechute. Because when I went back home, I did a relapse. Et je suis rentrée en hôpital psychiatrique pour cette fois-ci pour 4 mois. Et puis je suis sortie, quand je suis sortie de là, j'ai demandé à l'Éternel, j'ai dit, je veux cette fois-ci réussir ma vie, avoir du travail dans mon domaine, afin que tout puisse bien se passer et que je me marie. En 2013, j'ai eu un très bon travail. J'ai commencé à travailler et ça n'a pas plu aux gens. But it didn't please people. Et quand j'ai commencé mon travail, tout allait bien. When I started working, everything went just fine. Mais il est arrivé à un certain moment où la folie a commencé encore à m'atteindre. That madness started je commençais to à voir, threaten me again. Je commençais à voir des tunnels. D'un côté, je voyais tunnels, comme si c'était le paradis, et I de l'autre, on me montrait l'enfer. Et je n'arrivais pas à distinguer like des choses que je voyais. Je n'arrivais plus à faire le lien entre la réalité. And I couldn't make the relation between the reality and my madness anymore. And once again, I was interned in the psychiatric asylum. And this time, I just went out last November. I'm still working on a job right now.
comme vous avez fait trois rechutes, vous devez rester avec les médicaments pendant plusieurs années. To keep these voilà medicines ce qui me fait mal. Many years. Et and that's voilà what hurts pourquoi me je recherche aussi and la guérison de l'Éternel. Vous pensez que Dieu peut la guérir? Do you think that the Lord is able to cure her? Reste seulement à ta place. Ah, ça fait mal de voir des gens souffrir. It's painful to see people suffering. Wow. Ésaïe 61. Vous êtes fatigué? Are you tired? Que toutes nos pensées soient soumises à la parole. May all thoughts be submitted to the word of au God. Au nom de Yeshua. In the mighty name of Jesus. Gloire à Dieu. Glory to God. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. 61, à partir du verset 1er. Isaiah 61, from the verse 1. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. Spirit of the sovereign Lord is on me. L'Esprit du Seigneur Yahweh est sur moi. The Spirit of the sovereign Lord is on me. Amen. L'Esprit d'Adonai, the Spirit of Adonai, Yahweh est sur moi. Yahweh is on me. Gloire à Dieu. Glory to God. C'est une parole prononcée il y a 8 siècles, enfin 8 siècles avant Jésus-Christ. It's a word that was pronounced 8 centuries before Jesus, before Christ. Et pourquoi le Messie a-t-il été oint? Why was the Messiah anointed? Il est question de l'Esprit de Yahweh. It's about the Spirit of Yahweh. L'Esprit du Maître. The Spirit of the Master. Du Maître des Maîtres. The Master of Masters. Adonai ici, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Adonai here is the Lord, the c'est Master. C'est le Gouverneur. The Governor. C'est celui qui est amené, appelé à dominer. The one who is called to dominate. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, garde-nous. Father God, keep us. Et Esaïe dit, and Isaiah says, il m'a oint. He has anointed me. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. To preach good news to the poor. C'est-à-dire pour prêcher l'évangile which aux malheureux. To preach the gospel to the poor. Aux affligés. To those who are afflicted. Alléluia. Alléluia. Donc on apprend ici que l'Esprit de Yahweh avait été envoyé. So here we read that the le Messie avait été oint was sent pour s'adresser aux affligés. To preach to the afflicted and to the poor. Amen. Alléluia. Wow. Beaucoup d'hommes sont affligés. Many people are poor and afflicted. Il y a beaucoup d'afflictions, surtout en ce moment, there is a lot of en ce temps. Especially during this time in which chaque homme a un petit souci quelque part. Every man, each man, every one of us has a problem somewhere. Parfois, on fait semblant. Sometimes we just pretend. On fait tout pour faire croire que tout va bien. We pretend that everything is just fine. Alors qu'au fond de son cœur, ça va pas. Inside our hearts, it's not right. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de problèmes. There are many troubles. Quels sont tes problèmes? What are your troubles? Quels sont les problèmes de ta famille? What are your family issues? Quels sont les problèmes de ton mari, ta femme, what tes parents, tes enfants? Your husband, your wife, your children, your parents? L'Esprit avait été envoyé pour la prédication. The Spirit was sent for preaching. La parole. The word. Pour le message. For the message. Il nous faut un message. We need a message. Alléluia. Alléluia. C'est pas, nous n'avons pas besoin, mes amis, de fables. Friends, we don't need any tales. Il nous faut des messages purs. We need pure messages. Qui nous révolutionne. Which brings a revolution. Alléluia. Within us. Alléluia. C'est important. It's really important. Dieu parle. God speaks. Et si Dieu parle, and if God automatiquement, il y a des messagers qui vont se lever pour parler. Messengers will rise to speak. Et le Messie dit and the Messiah says, qu'il m'a oint pour porter le message. He anointed me to preach good là news. Où il y a l'onction, where anointing la is, parole de Dieu est prêchée. The word of God is preached. Là où il n'y a pas l'onction, where there's no anointing, ce sont des histoires qui sont racontées. It's just tales that are, you know, recounted to people. Les histoires n'apportent pas la délivrance, la guérison. Tales do not bring deliverance or healing. Oh, nous allons construire la plus grande église. We will bring we will construct. Ça c'est pas le message. This is not the message. Oh, j'ai fait plusieurs voyages. I traveled a ça lot. C'est pas le message. This is not the message. Donnez l'argent, vous serez bénis. Ça c'est pas le message. This is not the message.
Allez parler à Bill Gates de l'argent, mais nous, nous avons besoin du message. Go speak about money to Bill Gates, but we need. Alléluia. Alléluia. Oh, un frère m'a donné 1000 euros. Dieu l'a béni de 5000 euros. Ça, c'est pas le message. Brother gave me 1000. Lord bless him with 5000. This. Donnez la dîme, vous serez béni. Ça, c'est pas le message. This is not the message. C'est du réchauffé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend cet après-midi? Somebody's hearing. Dis à ton voisin, nous avons besoin du message. Tell your neighbor, we need the message. Nous sommes dans une génération où il n'y a que des mauvaises nouvelles. We are in a generation where there are only bad news. Quand vous sortez de votre, vous regardez les informations de 20 heures, quand vous, à la fin, vous devenez dépressif. When you watch the news, at the end of it, you become depressive. Vrai ou faux? Right or wrong? On vous parle de la guerre en Irak. They tell you about the war. On nous parle de la guerre en Palestine. About the war in. On nous parle de l'Ebola. About Ebola. Les gens sont traumatisés. People 30 minutes après. 30 minutes after. On va dans les assemblées, il n'y a pas de message. We go to assemblies, there is no message. Oh, nous sommes maintenant membres de la fédération. Now we're members d'église. Of the Federation of. Mais Church. Ça, c'est pas le message. This is not the message, people. Levez-vous à minuit pour prier de minuit à 3 heures pour que les démons ne vous attaquent pas. Wait, ça, c'est pas le message, ça. Midnight for you to pray since from 2 to 4 for demons not to attack you. Envoyez le feu chez vos ennemis pour qu'ils soient consumés. Send fire on your enemies for them to. Ça, ce n'est pas le message, frère. The message, my brothers. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin de nouveau, il nous faut un message. Tell your neighbor, we need a message. Posez-moi la question, pourquoi le message? Why a message? Je vous réponds simple. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from hearing. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Please God without faith. Et sans la parole, and sans le message, il n'y a pas de foi. There is no faith. Les informations nous rendent dépressifs. The news, you know, make us depressed. Les résultats de vos examens médicaux vous rendent dépressif. The results of your medical checkups make you. Les crises politico-économiques nous rendent dépressifs. The different political economic crises make us depressive. Il faut quelque chose de nouveau. So now we need something new. Mais qui n'est pas nouveau? But which is not new, by the way. Le message. The message. L'évangile. The gospel. Vous avez vu ces chrétiens qui ont peur de sorciers? Do you see all these Christians who are afraid of sorcerers? Quand un sorcier entre dans un bâtiment d'église, tout le monde s'écarte. When a sorcerer step into. Vous savez pourquoi il n'y a pas de message? Make way. Vous savez pourquoi il faut le message? Because there is no message. Do you know why we need a message? Parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité, because la vérité vous affranchira. That you shall know the truth, and the truth. Ton problème de pornographie. Your problem of porn ne peut pas être résolu sans le message de Dieu. Cannot be solved without the message of God. Les démons n'ont pas peur des histoires que l'on rencontre dans les églises. Demons are not afraid of different stories that we. Les démons ont peur de l'évangile. Demons are afraid of the gospel. Pourquoi l'évangile? Why the gospel? Ah, l'évangile présente quelqu'un. The gospel is introducing somebody. L'évangile présente la postérité de la femme. Oh, the gospel is introducing the offspring of the woman. Qui a écrasé la tête d'un serpent. Who has crushed the head of a snake. Alléluia. Alléluia. Non seulement qu'il a écrasé sa tête. Not only did he crush his head. Mais il est allé sous terre. But he went underground. Alléluia. Alléluia. Non seulement qu'il est allé sous terre. Not only did he go underground. Il est sorti avec les captifs. But he came out with the captive. Il nous faut le message. We need a message. Amen. Moi là où il n'y a pas de message, je ne peux pas y aller. Where there's no message, I can't go there. Pour entendre quoi? To hear what? Non, tu es condamné. You're condemned. Pour entendre quoi? To hear what? Il nous faut l'évangile. We need the gospel. L'évangile. The gospel. Il a presque disparu. Has almost disappeared. Oh, vous savez tel démon. You know such demon. Il opère de telle manière. He's operating such. C'est bien manner, tout ça, mais quel est le message? What is the message? Il m'a oint pour annoncer l'évangile. He anointed me to preach good news to the poor. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. What are beautiful on the mountains? Les pieds de ceux qui annoncent. The feet of those le message. Who announce the message. Oh, alléluia. Hallelujah. Il nous faut le message we de Dieu. Need the message of God. Quel est le message de Dieu actuellement? What is the message of God currently? Qu'est-ce que Dieu dit pour notre génération? What is God saying according cette génération malade et corrompue. This corrupt and qu'est-ce que Dieu veut?
What does God want? Vous avez vu avec les hommes politiques? You see, with all the politicians, il y a des scandales. There are scandals. 3-4 ans après, 3-4 years after, tout le monde oublie. Everybody forget. Ils reviennent. And they come back. Tout le monde les acclame. And everybody's applauding. Pourquoi? Why? Posez-moi la question pourquoi. Parce que les hommes sont désespérés. Because people are despairing. Il faut des messagers. We need messengers. Il faut l'évangile. We need the gospel. Avec le message que Dieu me donne. With the message that the Lord has given me. Si tu viens pour me condamner, je dirai mais. If you come to me to condemn me, I'll tell. Même si je meurs, je vais au ciel. Even if I die, I'll go alors, to heaven. Où le problème? So what? Where is the problem? Ah, right le now? Message. That's the message. Vous tremblez quand vous entendez des faux messages. You tremble when you hear false messages. Vous allez chercher des gourous pour qu'ils vous parrainent. You go and seek gurus for them to reign over you. Et vous payez. And you pay for it. Ça fait combien de temps que vous courez après ces gourous pour être libéré, guéri? Y a rien. And when you run after those people to be healed, there's nothing happening. L'évangile. We need the gospel. Vous voulez savoir si quelqu'un a l'onction? Comment un de premiers signes de l'onction? One of the first signs of anointing in a person's life. C'est la prédication de l'évangile. Is the preaching of the gospel. L'évangile est annoncé. The gospel is announced. Que ça vous plaise ou pas, l'évangile. Whether est annoncé. You like it or not, the gospel is preached. L'évangile c'est quoi? What is the gospel? On a dit que l'évangile c'est la bonne nouvelle. We said the gospel is the good news. C'est pas que ça. It is not just it. Parce que quand on vous dit, because when we tell you, si vous ne vous repentez pas, vous allez vous faire. If you don't repent, you'll go to hell. Ça c'est pas une bonne nouvelle. This is not a good news. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour mettre la paix, mais pour apporter la paix, mais la division, peace, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ça choque. This shocks, comment this il peut parler comme ça? How can it speak like that? Quand on pose on dit au Seigneur, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. When you say the Lord, vous savez ce qu'il a dit le Seigneur? Place, allez dire Herod à ce renard. Wants to kill you. He said, go back and Hérode était roi. Herod was le Seigneur dit c'est un renard. And the Lord said he was a fox. Ça c'est une bonne nouvelle. This is the good news. Alléluia! Alléluia! On nous a trop caressés dans les bâtiments d'église. We've been too much better up in churches. Trop engraissés. Too much, you know, fattened. Vous avez pris 40 kilos spirituellement parlant. You gained 40 kilos spiritually 100 kilos. Speaking. 100 kilos. Maintenant, pour marcher spirituellement, pour suivre le Seigneur, ça devient compliqué. And now to follow and walk after the Lord. On préfère suivre les hommes. You know, hard. On dit parce que le Seigneur c'est compliqué, il ne faut pas avoir beaucoup de bagages. To walk after the Lord, it's hard. Vous savez pourquoi? We can have a lot ceux qui sont énormes spirituellement, ils ne rentrent pas dans le royaume. Those who are, you know, parce que spiritually speaking, cannot enter étroite est la porte. Because narrow is the gate. Resserrer le chemin. Titan is the way. Quand on passe par là, on perd du poids. You walk through this way, on you perd de la graisse. You lose fat. Tu ne peux pas y entrer avec ta villa. You cannot enter. This way with your villa. Tu laisseras ta piscine dehors. You will leave your pool outside. Tu vas laisser te gym et western dehors. You will leave your shoes outside. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut le message. Tell your neighbor, we need a message. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord, save us. C'était ta belle voiture. You know your beautiful car. Tu vas la laisser. You will leave it. L'évangile. The gospel. C'est quoi l'évangile? What is the gospel? La mort. Death. Et la résurrection de Jésus. And the resurrection. L'évangile c'est quoi? What is the gospel? L'évangile te dit meurs. The gospel tells you die. Il te dit meurs. It tells you die. Personne ne veut mourir. Nobody wants to die. Ah non. Meurs par rapport à toi-même. Die according to yourself. Ah non Seigneur. Die to yourself. Ta cigarette que tu caresses là. The cigarette that you were stroking. Ta bouteille de vin là que tu aimes tout le temps, your matin, midi, soir. Wine that you like all day long. Oh, je ne peux pas manger sans un verre de vin, tout ça là, tout ça. Ton idole. Your idol. Ah, mon petit café chaque matin. My cup of coffee every morning. Alléluia. Alléluia. Tu peux ne pas méditer, mais tu ne peux pas manquer ta tasse de thé. You de can café. Easily not meditate, but you cannot deprive yourself of your little cup of coffee. Dis à ton voisin l'évangile. Tell your neighbor the gospel. Ça coûte cher. It costs a lot.
Ça va te coûter ta réputation. It will cost your reputation. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. He anointed me to preach good news. Regardez quand Yeshua est venu. Look, when Jesus il came, a prêché, frère. He preached my oh non. Beloved. On a dit que jamais homme n'a parlé comme they cet homme. Said, no man has ever preached like him. Quand on entend Jésus parler, when we hear Jesus quand il speaking, prêche, when he preaches, frère, ton cœur bouge. Your heart is boiling. Quand on prêche, les gens dorment. You see, sometimes when we preach people, you can see people sleeping. Il y a un problème. There is a problem. Les démons même acclament la prédication en question. Even themselves, they applaud. Dis à ton voisin, il nous faut la parole. Tell your neighbor, we need the word. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'évangile qu'on nous prêche aujourd'hui, you know, the gospel that we're preaching today, c'est l'évangile du maître corbeau et du renard. Is the preach, quand on était petit, on connaît cette femme. Hein. Tale, the crow and the fox. Le renard a tellement dit de belles paroles au corbeau. The fox spoke so many good, maître corbeau, qu'est-ce que tu es joli. To the crow. Oh, et dans son cœur, il était moche. But in his heart, he was speaking the contrary. Le renard voulait juste avoir the fox le fromage. To the cheese that was in a crow. Le fromage président là. In a crow's beak. Le camembert. You know the aussi. Cheese that he had in his beak. Le corbeau n'a jamais entendu une telle parole qui le glorifiait. A word that was glorifying him. Tout le monde disait t'es moche. Pour la première fois, saying, le dit, tu es beau. It was the very first time he was told il a lâché le fromage. And he let the cheese that was in his beak. Et mais vous, c'est pareil. So it's pretty much the same thing. Nous sommes right tous laids. We are all ugly. À cause du péché d'Adam et Ève. The sin of Adam and Eve. Nous sentons mauvais. We are reeking. Et voilà des bishops qui viennent qui vous disent vous êtes and beau. Now bishops are coming around and talking vous êtes, about vous you êtes are beautiful. Magnifique. You are beautiful. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? So vous commencez à lâcher vos dîmes. So what's going on? You start tithing. Mm-hmm. Vous commencez à lâcher vos comptes bancaires. You begin to tithe even your bank accounts. Il faut qu'on vous dise réellement ce que vous êtes. But que you nous need sommes. To be told truly what you are. Impudique. Truly what we are. Fornicators. Pour ceux qui sont impudiques. For those of you who are fornicators. Must. Oh Seigneur, que Dieu nous garde. Lord have mercy. Je veux le dire, mais vous croyez quoi? Can I tell you? Can I speak right here? La masturbation. Masturbation. Il y en a ici là. There are some of you here. Film pornographique, tu t'enfermes dans les chiottes, dans les toilettes, tu es en train de faire you des shut choses. In the toilet and you are doing things. Boîte de nuit, c'est toi. Clubs, you are in there. Là, tu penses que Dieu ne te voit pas don't quand tu vas sur ces sites you when you are in such places? Toi qui sors avec le mari d'autrui. You are hanging out with somebody else's husband. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut le message. Tell your neighbor, you need a message. Toi qui mets des mèches là pour séduire avec tes yeux, je sais you pas comment. You are wearing weaves to seduce. Il nous faut le message. We need the message. Toi qui mets des collants serrés. You who are wearing. T'as pas honte, toi jeune femme? You are wearing tight pantyhose to seduce people. Aren't you ashamed? Vous les femmes. You women. Que laissez vos fils habillés comme ça, la ventre en l'air. You are letting your vous êtes possédés. You know, the belly outside, you are possessed. Tiens, ton voisin, il faut le message. Tell your neighbor, you need the message. Jeune fille. Young girls. Toi qui as des ongles rajoutés là, tout ça là, préfabriqués. Made up nails. Quand on voit tes ongles, c'est comme les griffes d'un aigle. When you, we see your nails. Tiens, ton voisin, c'est de la sorcellerie. It's eagle's claws. Tell your neighbor, it's good. Alléluia. Alléluia. Il nous faut le message. We need the message. Tu rigoles, hein? Rigole. T'as tellement de faux ongles que tu ne sais même pas faire la vaisselle. You are so much false nails that you cannot make the dish anymore. Alléluia. Alléluia. Tiens, ton voisin, il faut le message. We need a message. Tu viens ici, tu t'habilles à peu près décemment. You come here and you wear. Quand tu es dehors, you dress pretty, you know, decently, but tu when you are outside, tu es une autre personne. You are another person. Mais tu ne vois pas que tu es hypocrite. Don't you see that you are hypocrite? Dis à ton voisin, il faut le message. Tell your neighbor, we need the message. Je ne suis pas papa.
Dis à ton voisin, c'est notre frère. Mais je comprends en même temps, ça c'est pour les Africains, c'est comme monsieur. Mais ne me paponisez pas, s'il vous plaît. Je vais aller au ciel comme vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut la parole de Dieu. We need the word of God. Vous avez les comptes Facebook avec vos images sales. Facebook accounts with your dirty pictures. Vous mangez à la table du Seigneur et vous mangez à la table des démons. You eat at the table of the Lord and at the table of demons. Regardez-moi vos jeans là, vous les sœurs. Ladies, look at your trousers. Comment ils sont serrés là. How tight they are. Vous avez mis des choses derrière pour cacher vos derrière là. You've put some stuff behind to hide your behinds. Regardez comment des hommes s'habillent, des efféminés. Look sometimes how men dress effeminate. Oh, serré, ventre, tout. Ventre, je ne sais pas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, cette génération. Elle est perdue. This generation is lost. Oh, il fait chaud. It's hot outside. Donc vous dites à Dieu, il n'aurait pas dû créer le soleil. So you are telling the Lord, he shouldn't have, you know, created the sun. Alléluia. Alléluia. Il faut le message. We need a message. Je ne prêche pas pour remplir un bâtiment. I'm not preaching to fill up a room. Je ne prêche pas pour que tu me donnes de ton argent. I'm not preaching for you to give you your money. Je prêche pour répondre à l'appel du Seigneur. I'm preaching to respond the call of the Lord. Mon problème. The rest of it ain't my problem. Le 6 décembre, on arrête ici. December. C'est ça aussi le message. It's over. That's c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Obedience to the word of God. Vas-y, vous allez faire quoi? Ben moi je. So your people are going to be like, what are we going to do? I know what I'm going to do. Je vais suivre Dieu. I will follow God. Vous suivez aussi you Dieu. Do likewise. Est-ce que c'est moi qui suis moi alors quoi pour vous? C'est qui? Donc qui s'occupe de vous? Avant qu'on se connaisse, me, qui s'occupe no. de vous? Then, eh bien après moi, qui va s'occuper de vous? C'est tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le message. This is the message. Il m'a 1%. That's why he has anointed me. Ta sorcellerie là. Your witchcraft. Tu es là. You are here. Tu sors la nuit tout le temps. You come out of your body spiritually speaking. Tu vois pas que tu es bloqué par le Seigneur. Tu peux même pas sortir d'ici. You cannot come out of this place. Alors abandonne. So please give up. Ce qui va vous amener au ciel, c'est le message. What will bring you to heaven is the message. Qui va enlever ces photos bizarres là, bizarres, ces photos, n'est-ce pas, subjectives, the, you know, subjective pictures, dirty pictures on Facebook, d'internet. Qui? Who wants to take this out of internet? Et pas honte. Don't be ashamed. Des photos sexy là. Enlevez ces photos. Pictures. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Qui veut la guérison? Who wants healing? Qui veut la délivrance? Who wants deliverance? La solution c'est quoi? What is the solution? Non, c'est pas Jésus n'est pas une chose. Jesus is not a thing. La parole de Dieu. The word of God. L'obéissance. Obedience to God. Obedience to the word of God. Et ça coûte cher l'obéissance. And obedience costs a lot. Hein? Dieu dit à Jonas, va à Nineveh. God says to Jonah, go to Nineveh. Jonas dit, non. Jonah says, no way. L'obéissance. Obedience. Dieu te dit, prends ton paquet de cigarettes, écrase-le. Take a pack of cigarettes and throw it out. And you're like, no. Ben, si tu n'es pas obéissant, il n'y a pas de guérison. If you're not obedient, there's no healing for you. Tu veux te marier? You want to get married? Eh ben, abandonne l'impudicité. Then give up fornication. C'est lui qui commet l'impudicité avant le mariage? Le péché sexuel avant le mariage? The one who commits sexual immorality before c'est comme si tu conduis sans permis. It's pretty much like you were driving without on va the driver's tout le temps license. T'arrêter. You'll always be arrested. Oh, mais il est dur. Oh, this man is so tough. Eh ben, tu penses qu'ici, il se passe quoi là? So what do you think is going on down here? C'est le message. This is the message. Quand Pierre a prêché, when Peter preached,
La Bible nous dit que les gens étaient tellement touchés. The Bible says that people were so ils ont dit, that they said, que ferons-nous? What shall we do? Aujourd'hui, today, on ne prêche plus. We don't preach anymore. On raconte des histoires. We just recount tales. Du coup, les gens, so consequently, people, pour les amener au Seigneur, to bring them to il faut les supplier. We need to beg them. S'il vous plaît. Please. Qui veut donner sa vie à Jésus? Who wants to give his life to Jesus? Dès qu'il y en a un qui se lève, tout le monde acclame. Oh, raising his hand, everybody's applauding. Chaque année, like au moins une personne qui se convertit. Each year we have one. Non à Dieu, mais à l'église. Not to the to God, but to the church. Et quand la personne arrive devant, when the person comes up front, on lui dit, bah, écoute, we say, so tu listen, répètes, Seigneur Jésus. Repeat after me, Jesus. Seigneur Jésus. Jesus. Je te reçois. I receive you. Je te reçois. I receive you. Dans mon cœur. In my heart. Dans mon cœur. In my heart. Comme mon Seigneur. As my Lord. Comme mon Seigneur. As my Lord. Ah ben, t'es chrétien. Then you're Christian. Eh ben, c'est fini, t'es chrétien. It's over. Now we are Christian. Et la personne rentre chez elle. The person comes back home. Elle est toujours, elle est pas changée. But the person isn't changed. Les péchés sont toujours là. The sins are still here. Mais pourtant je suis converti. The sins are still there. Là, tu es converti à l'église. I'm converted. Et on te dit, you're not converted to tu es devenu membre de l'église. And they tell you that you became member of the tu dois suivre une formation pendant 2 ans pour and le baptême. You will follow a training for 2 years for 2 ans de formatage. 2 years of training. Notre église s'appelle un. Our church is called. La fédération de notre église, c'est un. The federation of our church is such thing. Notre doctrine, c'est un. Our doctrine is such thing. La confession de foi, qui connaît ça? The faith voilà. Confession, who knows that? Voilà, tu es chrétien, mais tu es une église. You're a Christian of a church. Alléluia! Alléluia! Ouh, Seigneur, sauve-nous. Qui veut être sauvé? Who wants to be saved? Le message. The message. Ah oui. Ouah! Anointed. Il m'a ouah! He has anointed pour me parler. To preach. La deuxième chose, the second thing, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. The Bible says, he has sent me to bind up the brokenhearted. Oh, le cœur. Oh, the heart. Oh, heart. Le cœur. The heart. Qui n'a pas connu des problèmes de cœur ici? Who has never, you know, undergone problem hearts? Oh, mon petit cœur. Oh, my little heart. J'ai des palpitations. I have a heart beating. Oh, j'ai des soucis. I have troubles. Hein? Ton petit cœur, c'est Dieu l'a bien protégé heart. Le cœur. Hein? Vous avez you vu know, hein? You know, the Lord pourquoi Dieu a mis des barres comme ça là devant you le cœur? C'est comme si le cœur était en prison. It's pretty much like the heart mais was in prison. C'est pour le protéger, tellement fragile. You know the soul, it's in order to protect the soul, so much that is, you know, frail. Qu'il faut pas le toucher avec les doigts. That we cannot touch it with fingers. Mais ton cœur est tellement blessé. But your heart is so, oh mon cœur, so broken. Vous savez quand on a une surprise, you know, sometimes when we're surprised, it's like, ooh, we startle. Le cœur. The heart. Eh ben l'évangile. So the gospel concerne. L'évangile répare le cœur de l'homme. So the gospel bind up the brokenhearted. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le cœur? Why the heart? Parce que le cœur est fragile. Because the heart is very frail. Le cœur est comparé à un abîme. The heart is compared to an abyss. Quelqu'un peut te sourire alors que dans son cœur il t'aime pas. Somebody can smile at you while he doesn't like you in his heart. Le cœur. The heart. Il est terrible le cœur. The heart is very terrible. C'est un organe terrible. It's a very, very terrible organ. C'est une pompe. It's a pump. Le cœur. The heart. Voyez, sans le cœur, tu vis pas. Without the heart, you cannot live. Il doit battre tout le temps. He has to beat every time. Même quand tu dors, tu contrôles even pas when, ses battements. Even when you sleep, you don't, you know, you don't master. Tu peux contrôler tes yeux. You can control your tu eyes. Tu peux contrôler ta langue. Your tongue. Tu peux contrôler ta démarche, tes you jambes, can control your gait, tes mains, your legs, your hands, mais ton cœur, but your heart, tu ne le contrôles pas. You cannot control it. Il fonctionne indépendamment de ta volonté. It functions regardless of your voyez will. Le cœur, il est terrible. Seul Dieu peut le contrôler. The heart is terrible. Only God is able to control it. C'est pour ça que quand on tombe amoureux, that's c'est indépendant de notre falls, volonté. When we fall in love, it's regardless of our own will. Le cœur. The heart. Essaie d'arrêter ton cœur, tu peux pas. Try to stop your own heart. You won't be able to it, to do it. Tu peux décider de ne plus parler. You can decide not to speak anymore. Pendant 2 jours, tu vas pas for parler. For 2 days, you will not speak. Tu peux décider de ne plus voir. You can decide to not pendant see anymore. Longtemps, tu verras for a long time, you will not see. De ne plus entendre, tu to fermes tes oreilles. Anymore. You mais le cœur là, your ears. Seul l'évangile peut le pénétrer. Only the gospel is able to penetrate the heart. C'est pour cela que Dieu dit, and that's what God says, tu aimeras le Seigneur ton Dieu you shall love the Lord, de toute ta force, with all your strength, de toute ton âme, with all your de soul, tout ton cœur. With all your heart, le cœur the de l'homme of man est tortueux par-dessus tout. Is distorted above il est all. Mauvais. He is bad. Tu épouses une belle femme comme ça you sur marry a beautiful hein? wife, dans les apparences, elle est woman. Tellement belle.
You know, physically she's so ensuite, beautiful. Dans le mariage, but in the marriage, tu découvres son cœur. You discover her heart. Mm-hmm. Oh, yo, trop tard. It's too late. Alléluia. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. It's out of the heart that the tu vois une femme makes. Comme ça, elle est belle. You see mais quand elle ouvre la bouche, when she opens her mouth, you close your ears. Il y a des hommes parfois. There are men sometimes. Ils te disent. They tell you. Ma femme, j'en veux plus. My wife, I don't want tu regardes la femme. When you watch mais c'est une belle the femme. Girl, she's really beautiful. Mais comment il peut ne plus aimer cette femme-là? How can he love this woman il dit, anymore? Tu sais ce que je vis? He says, do you know what I'm going through? C'est pas le physique. It's not about the physics. C'est le cœur qui me tue. It's the heart that is killing me. Alléluia. Alléluia. Le physique m'attire. The physics. Mais son cœur m'éloigne. But it's, alors je ne veux plus de problème. The physics attracts me, but the heart. Alléluia. Takes me away. Tu vois une belle femme. So you see a beautiful tu vois dans woman, un pays où il y a des belles femmes. You go to a country where mais bizarrement, pratiquement aucune n'est mariée. But most of them are unmarried. Sur 100 femmes belles. Out of de ce pays, peut-être il y en a 60, seulement 10% de femmes mariées. Okay, out of 100 beautiful women, only 10 persons are married. Le cœur. Don't seek too much the heart. Le cœur. The heart. L'apparence physique attire. The physical appearance. C'est le cœur qui accroche. It's the heart that is, you know, falling for that. L'homme regarde ce qui frappe le regard. Men regard. Mais Dieu regarde au cœur. The men regards physical things, but God looks at the heart. Tu regardes un homme. When you look at a man, il paraît beau. He seems to be oh, very quel beautiful. Bel homme. What a good looking man. Mais quand man. Tu l'approches, but when you tu découvres near, son cœur. You discover his heart. Son cœur est égoïste. His heart is so selfish. Combien de gens how many people ne sont-ils pas fait avoir? Were not trapped. Tu reçois des couples parfois. You receive couples sometimes. Mais c'est le frère, il est quand même élégant. And you say, you're like, oh, the man is mais quand il commence à piquer des crises de colère. But when the man is acting crazy, you're like, whoa. C'est toi qui es comme ça? You are like that? La femme dit, ben voilà, là, tu viens de le découvrir là. Says, you just discovered him. Il paraît gentil devant he vous. Seems so kind il paraît beau, you. Bien habillé. He seems so mais à la maison, je but pleure. I am crying. T'as pas épousé une apparence physique, t'as épousé un cœur malade. You didn't marry a physical appearance, you married a broken hearted. Alléluia. Alléluia. Ton cœur. Your heart. A été façonné depuis ta naissance. Has been molded since your childhood. On t'a toujours dit tu es nul, tu es you nul, were tu es always nul. Said that ton cœur est blessé. You suck, and your heart is broken. Il y en a d'autres à qui on a toujours dit. To whom they vous êtes beau, you are good looking, et les good épaules. Looking, and you know the shoulders, they get proud. Le cœur, the heart. Le cœur ramasse tout. The heart c'est comme un aimant, ça attrape toutes les paroles. Your heart is like a magnet, it's collecting every word, pretty much like that. Regardez. Look. Nous avons des entrées. Nous avons des portes d'entrée. We have entrance doors qui donnent accès which goes au cœur. To the heart. Les yeux. Eyes. Quand on convoite là, when we lust c'est le cœur qui est touché people, it's the heart that mm-hmm. is polluted. Quand on entend des mauvaises paroles, when we hear, les critiques, les murmures, c'est le cœur qui est visé. Slanders and all that, it's the heart bah oui. that is targeted. Le Seigneur dit quoi? What did the Lord say? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui sous l'homme. It's not what comes into the heart's man. Tu peux manger, soul man. Ton cœur ne sera you pas can eat. Your heart will not be ben, soiled, physiquement, tu peux avoir des problèmes you de santé. Have problems, that's a fact. Mais quand tu te mets à parler, but when you start, you c'est begin le cœur to de l'homme qui sous l'homme. It's the heart of the man, that soul man. Combien de frères ne pleurent-ils pas ou de sœurs? How many people, brothers or sisters, are crying today? Ah, ma femme ne me considère pas. My wife does not ma femme ne me regarde, elle me parle mal. She disregards me. She talks to me in a wrong way. Le cœur. The heart. Vérifiez bien, vous verrez cette femme. Verify. Avec une blessure sentimentale il y a quelques années. She had a, son cœur est blessé. Emotional. Et elle a pris la décision de ne plus se faire avoir par les hommes. She had an emotional, you know, disease and moi, decided plus aucun homme ne veut me manipuler, c'est fini. Me, no, no man will manipulate me, it's over. Et le prochain qui arrive, and il va the souffrir. Next one will suffer. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Lord save us. Un homme.
Amen. Qui a vu sa mère souffrir? Mother suffering. Qui a vu son père écraser sa mère? Who saw, you know, her father always putting down her mother? Eh bien, qu'est-ce qui peut se passer cet homme-là? So what will happen to this man? Il va reproduire la même chose. He will copy the same thing and do it over. Le cœur. The heart. Oh Seigneur. Oh Lord. Oh Seigneur. Lord. Quand on pleure là, c'est le cœur. When we cry like that, it's the heart. Oh mon cœur. Oh my heart. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? And what is the Lord asking? Notre cœur. Our heart. That's what he's requesting. Donne-moi ton cœur. Give me your heart. Et on n'en veut pas. But we don't want it. Seigneur, mon cœur. It's my heart. Le siège des sentiments. Oh non. It's the seat of my emotions. Qui a des problèmes avec son cœur? Who has troubles with his heart? Moi. I. Moi. I plus jamais. Will never ever. Le prochain qui va, n'est-ce pas, oser me parler de travers? I will never pull up with that. The next one. Ah ben je. Ah ben, oh, il verra mon vrai visage. I will send him packing. Le cœur. The heart. Alléluia. Alléluia. Moi. Le cœur. Plus jamais. Never. Je ne donnerai plus mon argent à quelqu'un. C'est fini. I will never ever give my money to anybody anymore. The heart. Du coup, beaucoup de frères se disent, oh, cette sœur-là, faut pas l'approcher. Many brothers are like, no, this girl, you cannot touch her. Si tu l'approches, ça te risque de périls. If you approach her, you're going to have troubles. Il faut une guérison. A healing is needed. Qui a besoin d'une guérison du cœur? Who needs a healing of the heart? Quand le cœur est blessé, when the heart is broken, on peut trouver des refuges ici et là. We can find refuges here and there. La boisson, you know, drinking, la cigarette, smoking, la nourriture, food. Tu manges. You eat, you overeat. Un cœur blessé peut faire des dégâts. A broken heart can do a lot of damage. Voilà la sœur blessée. So the elle vient dire bon, aujourd'hui. She's hurt. Je ne veux saluer personne. And today I will salute pourtant, anybody. Elle va à l'assemblée. But she's going to the assembly. Aujourd'hui, personne ne me parle. But today nobody will talk to me. Personne. Nobody. Bonjour. Le cœur. The heart. Alléluia. Alléluia. Et l'évangile guérit nos cœurs. And the gospel cures our hearts. Si ton cœur est guéri, if your heart is healed, ton corps sera guéri. Consequently, your body will be healed also. Quand il y a des soucis dans le cœur, il y a des when maladies qui peuvent, heart, les soucis you know, peuvent provoquer des maladies physiques. Troubles can produce physical diseases. Avec les soucis, tu peux perdre des with cheveux. Troubles, you can lose your hairs, your hair. Les gens qui ont vécu des chocs émotionnels, emotional shocks, il y en a, d'un seul coup, ils perdent les cheveux. You know, all of a sudden they le lose cœur, your, the heart. Et Jésus and Jesus veut guérir ton âme, to, ton cœur. Il veut guérir unbreak, en profondeur. He wants to break your heart. Deeply want to mend it. Quand un cœur est blessé, when a heart is broken, on peut être très susceptible. We can be really touchy. On s'énerve facilement. Ah, yeah! We are in a quick temper. Ah! Le cœur. The heart. Moi, le problème. Ah, yeah, yeah! Mais c'est pas ça. Ah, trop tard. La colère. Le cœur. The heart. Qui est comme ça? Who is like that? Quick tempered. Même ton mari pour te parler, il prend des gants. Even if you know your husband when he wants to talk to you, il tourne d'abord sept fois. He has to go really, you know. C'est plus un couple ça. It's no longer you know a couple there. Quand le cœur est blessé, when your heart is broken, tu peux aussi vouloir être tout le temps vu quand l'onction est là, même quand tu n'es pas touché par l'onction. Non, c'est pas l'onction. When the anointing is tu as besoin d'attirer le regard des gens. Tu as besoin de l'amour, de l'attention. C'est ton cœur qui est blessé. It's your heart that is broken. Alléluia. Alléluia. Tiens, ton voisin, il faut la prédication de l'évangile. Tell your neighbor, we need the preaching. Vous voulez que je continue, frères et sœurs? Le cœur, the heart. Continue. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu vois les sœurs qui te regardent. Sometimes you see sisters looking at you. And once you look at them, they go crazy.
Tu veux de l'attention. Oh, you want attention. You want to be seen. C'est le cœur. It's the heart. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de charlatans? Do you know why there are so many women who are victims of charlatans? Pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes? Why there are more women that are victims? Parce que la femme c'est le cœur. Because heart is about. L'homme c'est le cerveau, la tête. La femme c'est le cœur. Man is about the brain thinking, but the woman is about emotion. La femme est un être sentimental. The woman is a sensitive, émotionnel. Emotional. Voilà pourquoi il y a plus de femmes qui tombent sous l'onction que les hommes. More women who are, you know, falling in a spirit than men. Il y a plus de femmes qui sont ont des manifestations que les hommes. You know, manifestations than men, right or wrong. Et si on compte ici, il y a plus de femmes. We count here, que les hommes. Many les femmes, levez les mains. Women than men here. Women, raise. Vous avez vu ce frère, on acclame le Seigneur pour les femmes. Brother, let's alléluia. Give a hand clap for women. Oui, mes frères, on peut acclamer Dieu pour les femmes. Brothers, hein. We can give a hand clap to the Lord for women. Vous savez pourquoi elles sont plus nombreuses à chaque you know fois? Why they are more numerous than parce qu'elles sont sensibles. Because they are sensitive. Les hommes sont des raisonneurs. Are more thinking. They are more thinking than girls are. C'est pour cela que l'évangile touche plus facilement les femmes que les hommes. That's why women are more easily touched by the gospel than men are touched. C'est souvent les femmes qui attirent leurs hommes à la parole. It's often women that are bringing their husbands to the gospel. Than the way around. Il faut réfléchir d'abord, chérie. Il faut. Men, women, you should think first. Bon, allez doucement quand même. Gotta go, you know, gently. Alléluia. Alléluia. En fait, ils veulent jouer au dur. In fact, they want to play. Ils sont faibles. They want to play hard, but they also are. La chair est faible. The flesh is weak. They are weak. The flesh is weak. Pourquoi les femmes ont plus besoin de fleurs que les hommes? Why do girls need more flowers than men do? Mes frères, vous voulez regagner vos femmes? Brothers, des fleurs. You want to gain your woman? Flowers. C'est biblique, gentlemen, c'est biblique. It's biblical. Tell your neighbor it's biblical. Invitez-les au restaurant. Invite them over to a restaurant. Il n'y a pas beaucoup de frères qui disent « Seigneur, merci ». Non. Alléluia. Alléluia. Comment? Ça se fait. Eh bien, gloire à Dieu pour celui qui fait ça. Amen. C'est rare, la sœur a dit toujours, non? On va prier pour le tien. Alléluia. Les cœurs. Hearts. Regardez la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui. Look most of the young girls around. Elles sont violentes. They are really violent. Yo, 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 yo. Elles s'habillent comme les hommes, elles parlent comme les hommes. Men, they speak like men. Oula! Je le regarde parfois, je dis Seigneur. Sometimes I'm like Lord. Pour mes fils, il y a un travail à faire. For my son, there's still a work to do. Alléluia! Voilà. Pas toutes, elles sont pas toutes comme just ça, all mais quand of même them, beaucoup. Right? Tu vois une femme marcher, c'est un homme ou c'est une you femme? You see a woman walking, you're like, is it a man or a woman? She's swagging like le a, cœur. The heart. Et tu vois les hommes marcher, efféminés. You see men, men walking in a very effeminate le way. Le cœur. The heart also. Y a, le cœur est troublé. The heart y a is troubled. Trouble de personnalité. There is a trouble la confusion, l'homme ne sait plus si c'est femme ou homme. Man no longer knows whether he's a man or a woman. C'est pour ça qu'il faut l'évangile. Quand le cœur est restauré. On a reçu it. Un mail d'un monsieur. We received a mail of a man. Qui s'appelle Isabelle. Who is called Isabel. Il a changé de sexe. He changed his gender. Il est devenu femme. He became a woman. Il suivait TV de vie. He was following l'évangile TV. L'a touché. The gospel son cœur a été restauré. His heart was mended. Maintenant, il a retrouvé sa masculinité. He found again his, you know, man-like. Man-like? Yes. Yes, alléluia. Good. Masculinity. Mm-hmm, exactly. But men-like. Ah, ok. Gloire à Dieu. Et il a envoyé un mail. And he sent a mail. Je m'appelle Isabelle. I remember, my name is Isabel. J'ai changé de sexe. I changed my gender. L'évangile m'a touché. The gospel touched me. Mon cœur est restauré. My heart is mended. Maintenant, je ne veux plus être femme. Now I no longer want to be a woman. Voilà. L'évangile change nos cœurs. The gospel changes our hearts. Ton docteur ne peut pas changer ton cœur. Your doctor cannot change your heart. Ton psychologue, rien. Your psychologist is going to do anything for you. Rien. Your psychiatrist is going to do mais anything for you. Mais quand l'évangile arrive, so when the gospel comes, le cœur est restauré. The heart is restored. Hallelujah. Hallelujah. Mon frère, tu vas retrouver ta position d'homme. My brother, you will find back your stand of man. Oh Seigneur.
Toutes les mauvaises choses viennent du cœur. All the bad things are coming from the heart. Marc 7 le dit. Mark 7 says it. Pour proclamer aux captifs la liberté. To preach good news to the poor. Dis à ton voisin, je veux être libre. To proclaim freedom for the captives. Tell your neighbor, I want to be free. La liberté. Freedom est un privilège. Is a privilege. Est un cadeau. Is a, it's a gift. Est un don. It's a gift. Pendant des années, For years, j'étais esclave des pasteurs. I was slave of pastors. Je me rappelle. I remember back then. J'étais nouvellement dans le ministère. I was newly, you know, I was newly in a ministry. I was new in the ministry. Un apôtre qui est venu de la Côte d'Ivoire. And there's an apostle who came from Ivory Coast. On m'a dit c'est un homme de Dieu. I was told it's a man of God. Oh frère, à l'époque on était tellement, on a tué tellement les hommes de Dieu. God was so acting in a man's life. Il était impudique. So the man was a fornicator. Je ne savais pas. And I didn't know it. Je prenais mon or, je donnais. I was taking my money, I was just je prenais giving it away. L'argent, je donnais. I was taking my money, I was giving it away. J'étais comme son esclave. I was like his slave. Il venait prêcher, il fallait faire des offrandes pour lui. When the man was preaching, he had to receive offerings. Mais depuis que le Seigneur m'a délivré, but since the Lord delivered oh frère, brothers, je ne veux plus être captif de qui que ce soit. I don't want to be captive to anybody anymore. C'est magnifique de goûter à la liberté. It is so wonderful to taste freedom. Toi qui as une prophétesse à qui te contrôle, you tu have de a controlling prophetess. Toi qui as un prophète au pays à qui tu envoies you l'argent, have a prophet to whom tu es idolâtre. You are idolator. Qui a un prophète au pays? Who has a levez prophet in the country? Please raise your s'il hand. Vous plaît. Please raise your hand. Vous devez vous repentir. You need to repent. Parce que vous allez consulter des médiums. Because you're consulting. Ce sont des voyants. Mediums. These are mind readings. À chaque people. Fois vous les consultez, vous péchez. You, these are mind readers, and every à time chaque fois that que vous envoyez de l'argent pour qu'ils prient pour vous, pour vous dire ce every que tu attends de vous, vous péchez. To tell you what's going on in your lives, you are sinning against God. Aujourd'hui, vous serez libre. You shall be free. Alléluia. Alléluia. Dieu dit invoque-moi. Je te répondrai. And I shall answer. Il n'a pas dit invoquer les pasteurs. Call upon pastors. Laissez Shora tranquille. Leave this man alone. Leave Shora alone. Moi, je suis chez moi à genoux en train d'invoquer Dieu. Vous voulez maintenant m'invoquer? On my knees, calling upon the Lord, and now you want to call upon me? Ah non, ah ben t'as raison, ma soeur. Ah non, pas du tout. No way, no way. Ah non, no way. Tout le monde doit invoquer Jésus. Everybody has to call upon. Alléluia. Alléluia. N'invoquez pas vos bishops, vos do pasteurs. Call upon your bishops and pastors. Quand vous avez des problèmes, la première personne qui a appelé premièrement? When qui you faut, have faut appeler trouble, premièrement? Who is the first person to qui call faut upon? Appeler premièrement? Who do you have to first call deuxièmement? Upon? Second of all. Troisièmement? Third of all. Quatrièmement? First un million de fois après. One qui? Million times of Jésus. All, Jesus Christ. Et une fois qu'il a opéré, operated, vous allez voir les frères et sœurs pour témoigner. Voilà. C'est ça l'évangile. Tell your neighbor, this is the gospel. Ça va? Les captifs. Captives. Are you okay? Hier, on était captifs des pasteurs. Yesterday, we were captive of pastors. Des églises. Of churches. Du péché. Of sin. De démons. Of demons. Aujourd'hui. And today. Il y en a qui vont recevoir leur délivrance. Some will receive their deliverance in the name of Jesus. Je vous dis. I'm telling you. Il m'a envoyé. He has sent me. Alléluia. Hallelujah. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. To proclaim freedom to the, for the captive. Les prisonniers seront délivrés. Prisoners. Prisoners will le be free. Péché qui t'emprisonne sera brisé au nom de Jésus de Nazareth. Les démons qui contrôlent ta famille. Demon controlling your family. Frère, ils ont été exposés à la croix. They have been exposed. Alléluia. Alléluia. Jésus a triomphé des Jesus démons à la croix, frères et sœurs. À la croix, at the cross, il a convoqué la mort. He convoked le démon death. De mort était présent. The demon of death was there. Démon, demon d'impudicité, of fornication, présent. Present. Tous les démons étaient devant la croix. All the demons were in front of the cross. Jésus a pris. Jesus took. Oh, alléluia. Il a repris les clés. He took back the frère, keys. Vous ne vous rendez pas compte. Don't you realize that? Nous sommes un peuple libre. We are free people. Frères et sœurs, brothers and sisters, aucune maladie ne peut résister no à la parole de Jésus the de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Prenez-moi les enfants ici là-bas, là, s'il vous plaît. Take all the children away, il se passe des choses ici. Things are going on here. Aucune maladie. No disease.
La maladie qui t'a emprisonné. Ma Bible me dit que Jésus a été oint pour nous libérer de ces choses. Ce livre n'est pas la parole d'un homme. Ce livre n'a pas été écrit par un homme. Ce livre n'a pas été inspiré par un homme. Ce livre tombe du ciel. C'est la parole qui est sortie du trône. Depuis son trône, le Père a parlé. Depuis son trône, le Père a commandé. Depuis son trône, le Père a ordonné. Et Satan, les démons, le péché, les sorciers, les maladies ne peuvent qu'obéir à la parole de Dieu. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Oh, alléluia. Tout passera. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a parlé pour toi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'onction pour ta délivrance a déjà été envoyée. Oh my God. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Je veux dire à quelqu'un, avant ta naissance, cette parole a déjà été accomplie. Jésus va dans une synagogue. Il prend ce rouleau. Il l'ouvre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Jesus Christ. Car il m'a oint pour libérer les captifs. Il est allé chercher les captifs dans les synagogues. Comme aujourd'hui, il est venu te chercher dans tes problèmes. La parole est arrivée jusqu'à toi. Je veux dire à quelqu'un, ou je vais parler plutôt à quelqu'un, je veux dire à une chose, ce démon-là, ce péché-là, je veux dire à quelqu'un qui est contrôlé, qui est manipulé, qui est géré par les puissances occultes. Je veux dire à quelqu'un qui est dominé par la maladie, par la peur. Je veux dire à quelqu'un que Jésus de Nazareth, sur la croix, il a dit tout est accompli. Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Quand il m'a appelé, il m'a dit, va et libère mon peuple. Le peuple de Dieu vivra la délivrance. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple libéré. Un peuple restauré. Oh, alléluia. Jésus a dit, il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Nous avons été graciés. Les prisonniers ont eu la grâce royale, libérés de prison. Oh, je vois des prisons qui sont ouvertes. Je vois les portes des prisons qui sont ouvertes. Je vois des peuples sortir. Je vois un peuple sortir. Je vois des sidéens. Je vois des cancéreux. Je vois des malades, des pécheurs sortir de là. Oh, Jesus Christ. Tu vas laisser ta maladie. Tu vas laisser ton manteau. Tu vas laisser ton problème. Tu vas repartir léger. Tu vas repartir délivré. Tu vas repartir restauré. Je veux dire à quelqu'un qui a fait un vœu à Dieu, que Dieu a entendu ton vœu, que Dieu exauce ton vœu, que Dieu accomplit ton vœu. Oh, alléluia. La promesse qu'il t'a faite dans ton sommeil, il va l'accomplir. La vision qu'il t'a donnée, le songe qu'il t'a donné, il va l'accomplir. Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. 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 Jésus, quand il entre quelque part, il ne sort pas seul. Il sort toujours avec les prisonniers. Il sort. Il sort. Il sort. Il était oint pour cela. Voilà qu'on l'appelle le Messie. Celui qui a reçu l'onction. L'onction sans mesure. Alléluia. L'onction sans mesure. Sans mesure. Et l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Oh, alléluia. Ce démon de folie.
This demon of madness. Ce démon de folie. This demon of madness. Ce démon de serpent. This demon of snake. Ce démon de marée de nuit. This demon of night. Ce démon de femme de nuit. This demon of night. Qui t'a longtemps troublé. Who has troubled you. Je m'adresse à toi, marée de nuit. I'm talking to you. Je veux que tu lâches. I want you to come out. Ma sœur aujourd'hui. Today, cette femme. This woman. Qui a l'appel prophétique. That has the prophetic. Que tu as brisé. That you've broken. Que tu as détruite. That you've destroyed. Aujourd'hui. Today, femme de Dieu. Woman of God. Voici ta délivrance. Here's your deliverance. Marie de nuit. Sortez! Une onction est libérée ici. L'esprit de Marie de nuit. Quitte cette femme. Quitte-la maintenant. Come out right now. En fait, Dieu m'a montré. You know what the Lord just que c'est un mari de nuit qui amène la folie chez elle. On l'a mariée à l'âge de 3 ans. On l'a épousée la nuit à l'âge de 3 ans. Mari de nuit, lâche-la maintenant. Au nom de Yeshua. Viens ici au nom de Yeshua. Viens ici au nom de Yeshua. Oh, il y a une onction ici. Les démons ont peur. Les démons ont peur. Je dis les démons ont peur. La puissance de la résurrection. Alléluia. Jesus Christ. Oh Dieu de gloire, God of glory. Dieu de gloire, God of glory. Je veux que tu la lâches. Je veux que tu la lâches. Je veux que tu la lâches. C'est au nom de Jésus que je viens te chasser. Au nom de Jésus, tu vas la lâcher maintenant. Tu vas la lâcher maintenant. Je proclame le divorce entre toi et elle. Maintenant, lâche-la. Au nom de Yeshua, lâche-la, 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 lâche-la. Oh Dieu de gloire. Amenez-la moi là-bas. Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Lâche-la. Sors d'elle. Voilà. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu vas quitter son âme que tu tiens. You will come out of her soul that you are restraining right now. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Les démons ont peur. Demons are afraid. Il y a un troisième mari de nuit. There's a third nightly husband. Qui a mis une bague who has, put a ring dans le doigt d'une femme ici. On somebody's finger here. Ce mari de nuit est très en colère contre moi. This husband is really angry at me. Tu vas lâcher ma soeur. You will come out of her. Tu vas la lâcher maintenant. You will come out of her right away. Je veux que tu la lâches maintenant. I want you to come out of her right away. In the name of Jesus. Tu vas la lâcher. You will come out of her. Tu vas la lâcher. You will come out of her. Tu t'en vas. You come out. Je te chasse de sa vie. I cast you out of her. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te chasse. That I'm casting you out right tu ne vas plus la posséder. You shall not possess her tu anymore. Ne vas plus la contrôler. You shall not. Au nom de Yeshua, oh Père de gloire, magnifique est ton nom. Wonderful is the name of God. Sors d'elle. Come out of her. Sors d'elle. Come out of her. Cette femme a envie de vomir. This woman feels like she wants to throw up. Elle a envie de partir d'ici. Tu te sens she mal. She wants to run away from this place. You feel embarrassed. Ouais. Ce démon s'en va. This demon is coming out. Toutes ces souffrances durant all ces sufferings. Années. La mort. Death. La mort. Death. Je sens la mort ici. I feel death. La mort. Death. Tu te promènes avec la mort. You walk around with death. Tu sens la mort. You smell death. Tu vois la mort venir vers you toi. Smell like death. You see death coming close to tu you. Es là. You are here. Je m'adresse and à I'm la mort. Talking to you. I'm talking to tu death. As été envoyé pour la tuer. You were sent to kill her. Tu as été envoyé pour tuer you cette personne. Sent to kill this person. Tu vas la lâcher you'll maintenant. Come out of her right now. Je veux que tu t'en ailles. I want you to come out of her c'est right au nom now. De Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Je m'adresse à la mort. I am addressing death. Maintenant. Right now. Sors d'elle. Come out of on her. Acclame Jésus de Nazareth. Give a hand sors d'elle. Come out. Quitte-la. Come out. Quitte-la. Out. Regardez-moi la mort ici. Look at death right now. Oh Dieu, hallelujah. Lâche-la. Lâche-la. Hallelujah. Lâche-la. Come out. Lâche-la. Come out. Au nom de Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. God of glory. On l'a consacrée à la mort par le vaudou. Dieu la libère. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Au nom de Jésus. Jesus, il y a un autre démon qui sort. Un autre démon qui there's sort là-bas. Demon coming out. Quitte cette femme. Come out of her. Quitte cette femme. Come out of her. L'esprit des eaux. The spirit of mermaids. Quitte-la. Right away. Au nom de Jésus. Come out of her. On acclame Jésus de Nazareth. Give a hand clap unto the Lord.
Oh Jésus. Aidez-la, amenez-la moi celle là-bas. Bring her forward, please. C'est un esprit des eaux qui s'en va. Spirit of mermaids, a mermaid of waters. C'est un esprit des eaux. The spirit of mermaids. On a volé son mariage. Her marriage was stolen. On ne veut pas qu'elle soit heureuse dans le mariage. They don't want her to be happy. Dieu la libère. The Lord is bringing her out of her prison. On l'a consacrée aux eaux. On l'a consacrée aux eaux. Sors d'elle. Come out. Quitte son ventre. Come out of her womb. Sors d'elle. Come maintenant. Out of her womb right now. Ça sort. It's coming là. Out. C'est la reine. It's the queen. La reine de côte. The queen of the coast. Qui détruit. Which is destroying. Aucun homme ne doit pas l'approcher. No man need. Aucun no homme man ne doit l'approcher. Draw near her. Aucun homme ne doit l'approcher. No man should draw near her. Là, la reine de côte. The queen of coast. Elle est très en colère. She is really angry. C'est pas fini. It's not over. Je dis c'est pas fini. I'm telling it's not over. Dieu me dit c'est pas fini. God tells me it's not over. Dieu me dit c'est pas God fini. God tells me it's not over. C'est pas fini. It's not over. C'est pas fini. It's not over. Il y a un esprit ici. There's a spirit here. Qui est là. Which is here. Qui m'insulte. Which is insulting me. Là. Vous entendez? Can il you hear me taire. She said me shut the hell up. On acclame Jésus de Nazareth. Give a hand clap. Sors de là. Come out. Quitte là. Come out. Quitte là. Come out. Sors d'elle. Come out. Amenez-la moi. On acclame Jésus de Nazareth. Hallelujah. Oh. Dieu magnifique. God is good. Dieu est magnifique. God is good. Dieu est magnifique. God is good. J'ai entendu cet esprit m'insulter. I heard the spirit insulting me. Il y a des anges guerriers qui viennent d'arriver. Warriors, angels, who just arrived. Il y a une armée de myriades d'anges. There's an army Jesus. Of warriors, angels. Il se passe des choses aujourd'hui. Things are going on here. Il se passe des choses aujourd'hui. Things are going on here. Vous savez ce qui se passe? You know what's going on? Il y a un ange qui est planté là au milieu de la salle. Who is right in the middle of the room? La bannière de Jésus with de Nazareth. The banner of Jesus. Hallelujah! 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 Jésus! Jesus! Oh! Les démons ont peur. Je vous dis, ça sort là, ça sort. It's coming out. The demons are afraid. Ça sort. It's coming out. Ça sort. It's coming out. Ça sort. It's coming out. Oh Dieu de gloire. God of glory. Oh Dieu de gloire. God of glory. Là c'est un serpent. It's a snake. Qui est en train de sortir. Which is coming out. Qui est en train de remonter. Which is coming up. Qui est en train de sortir. Which is coming out. Un serpent familial. A family snake. Le totem de ta famille. The totem of your family. Un serpent. A snake. Il est en train de sortir. It's coming out. De quitter tes membres. It's leaving your members. De sortir de tes pieds. De quitter tes jambes. It's leaving your voilà feet. La délivrance ma sœur. Here's the deliverance, my sortez come out of her. Au nom de Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Serpent. Snake. Sors d'elle. Come out of her. Allez, sors d'elle. Come out. Allez, lâche-la. Come out of her. Serpent. Snake. Regardez-moi ce boa. Look at that boa. Oh Dieu d'Israël. God of Israel. Avec ses problèmes de jambes. With her legs après problems. Cette délivrance. This deliverance. Elle va retrouver ses jambes de 20 ans. She will find her legs. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh jeune fille, voici ta délivrance. Voilà ta délivrance. Here's your deliverance. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Cet esprit. The spirit. Tu veux t'amener à la séduction. Who wants to take you to quitte ta bring vie. You to seduction. Au nom de Jésus de Nazareth. Your life in the name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Oh, il se passe des choses ici. Things are going on here. Le serpent qu'elle a là. The snake that she has. En cercle, enroule ses jambes comme ça. Is around her leg like that. Ça sort. Laissez-la enlever ses chaussures là. C'est son miracle aujourd'hui. It's a miracle today. Regardez-moi ses pieds là. Look at her feet. Regardez-moi le miracle que Dieu opère ici, look mes amis what là. The Lord is doing right now. Au nom de. In the name of Jesus. Au nom de. In the name of Jesus. C'est réglé. On acclame over. Le Seigneur de Nazareth. Give a hand clap to the Lord. Jesus Christ. Jésus est trop fort. Jesus is so strong. Comment ne pas craindre Dieu? How can't we comment ne pas adorer Dieu? How can't we worship this God? On nous a caché Jésus. We were hidden this Jesus. Ah mes amis.
on l'a caché. Jesus was hidden from us. Il se révèle aujourd'hui. And he reveals himself today. Il se révèle aujourd'hui. He's disclosing himself to us. Il se révèle aujourd'hui. He's disclosing himself to you. Oh oui. Il y a un démon ici. There's a demon up in here. Il y a un autre démon ici. There's another demon up que le Père vient de me montrer. That the Father just showed me. Il y a un démon me. Ici. There's a demon here. Il a des instruments bizarres. He has weird instruments. Il frappe constamment le He's corps constantly de quelqu'un. Somebody's body. Ça provoque des douleurs atroces. This is provoking atrocious. Oh Dieu de gloire. Tu sens dans ton corps depuis quelque temps And comme un feu. Feeling in your body lately, you're oh, like a, Dieu like a vu. Fire. Dieu a vu. God Dieu has a vu. Seen. God saw. C'est à cause de la présence de ce démon. And it is because of the presence of this demon. Et voilà pourquoi And that is why tu as cette souffrance. You have this suffering. Il est en train de s'en aller, ce démon. Il est en train de s'en aller. Il est en train de s'en aller de ta vie. Out of your life. Et il prend sa maladie. And he takes its illness et il part avec. And he goes away la with puissance it. De Dieu the power of God vient sur toi. Comes upon you. Et ce démon, and this demon quitte ton âme. Comes out of your soul, quitte ton corps physique. Comes out of your physical body, au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Il part it's coming out avec toutes les maladies. With all the diseases. Il part it's come out, avec it's le diabète, la tension. Diabetes, il s'en va. Je m'adresse à toi maintenant. Tu dois quitter cette femme. Tu dois quitter ce corps. Je m'adresse à toi. Body. Sortez maintenant. Quittez ce corps. Quittez ce corps. On acclame Jésus de Nazareth. La chaleur. Acclamez Jésus de Nazareth. Sortez. Come out. Qui t'a dit que Dieu a changé? Who told you qui t'a changed? Dit que Jésus a changé? Who told you got changed? Il est le même hier, He's aujourd'hui et éternellement, mes amis. Oh, alléluia. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la résurrection. This is the power of resurrection. Oh. Il y a eu une réunion dans ta famille. There was a reunion in your family. Contre toi. Against you. On a fait une réunion contre toi. They convened a reunion against you. On a lancé des flèches contre and toi. They threw arrows at you. Fab. Woman, là où tu es assise, where you were seated, tu enlèves cette flèche. God is taking out this arrow. Qui est planté dans ton dos. That was thrown in your back. Sors de là. Come out. Sors de là. Come out of here. Sors de là. Sort de là. Come out. Un ange vient. An angel is coming. Il retire cette flèche. And he's taking out this Il retire arrow. Cette flèche. It's taking out this oh arrow. Oh my God. Alléluia. Voici ta délivrance. Here's your deliverance. Voici ton miracle. Here's your miracle. Voici ta restauration. Here's your restoration. Voici ta restauration. Here's your restoration. Car Dieu t'aime. Because God loves Au you. Nom de Yeshua. In the name of Jesus. C'est fini. It's Lève over. Lève-toi. Fini. Stand up. It's Ce dos-là. Fini. C'est réglé au nom de Yeshua. Over in the name of Jesus. Fini au nom de Yeshua. It's over fini in the name au nom de Yeshua. Jesus. Fini. In the name of Jesus. You are holy. Holy, are you Lord God Almighty? Lord, we love you. Holy is our God. Oh, il se passe des choses. Things are going on. En français, en lingala, en camerounais, en ivoirien, en baoulais, en anglais, en arabe. Alléluia, bon sang tout. Oh. Chante dans ta langue, chante dans n'importe quelle langue qui honore Dieu. Créole, peu importe. Jésus est là. Pendant que vous le chantez, les démons s'en vont. Demons are coming out. Oh, alléluia. Alléluia.
Le maître est là. The master is here. Tu as une ceinture, une femme, ceinture, un homme, ceinture. A back belt. À cause du mal de dos, enlève ta ceinture. Take it out. Take enlève off. Ta ceinture maintenant. Take off your belt right now, your back belt. Les guérisons que tu accordes maintenant. The healing that the Lord is granting right now. Alléluia. Tu es ça.
pouvoir est là, l'obscurité, tous ensemble, l'obscurité ressent au sang de sa voix, au sang de sa voix. Enlevez vos ceintures par rapport au dos. Take off your back belts. Dieu a guéri beaucoup de gens. The Lord has blessed many people. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Une personne. Somebody. Qui suit un traitement. If he's following par rapport à l'hépatite C. Regarding hepatitis. Tu as beaucoup de médicaments à prendre. You have a lot of medication to take. Ton foie est affecté. Your liver is affected. Le Seigneur me dit de te dire. The Lord tells me to tell you. Tu es guéri au nom de Jésus. You are healed in the name of Jesus. Alléluia. Oh. Qui portait une ceinture ici? Who was wearing a back belt? Tu l'as avec toi? Do you have it alone? Do you have it with you? Tu l'as avec toi? You have comment it with tu you? Le sens? How do you feel? Viens. She feels great. Come on, acclame le Seigneur pour we give a round of applause. God is working miracles. God is performing miracles. Samba salaka bika moi. Lord, I need you, Lord. Oh, Dieu de gloire. Fini ce dos. La guérison est là. The healing is here. Ça fait combien de temps que tu la portes? How long have you been wearing this back belt? I was prescribed this belt. Près de quoi? Roughly 20 years. 20 ans. 20 years I've been wearing this back belt. Yesu asalaka. Jésus, je t'aime, doudou. Oh Jesus. Chéri mon amour, laisse-moi t'adorer, Père. Je t'aime tant. Laisse-moi t'adorer. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. L'onction est sur elle. The anointing is upon her. Cette malédiction est brisée. This curse is broken. Je vous dis, il se passe quelque chose. I'm telling you, things are going on oh here. My God. I'm telling you. 20 ans d'esclavage. 20 years of slavery. L'onction a été envoyée. The Jésus fait des miracles. Il n'a pas changé. He hasn't changed. Jésus fait des miracles. Oh Jesus. Oh Jesus. Fini. Over. Oh mon Dieu. Now
j'aime Dieu. I love God. C'est du tac au tac avec le Seigneur. It's tilt for tilt. Fini. God. It's over. Hein? Attends. Oh, I was prescribed physical therapy. Comment? Le médecin vient de m'inscrire 12 séances de kiné. The doctor just prescribed me 12. Parce que mon dos il est courbé, ça fait près de 20 ans. Because my back is crooked, it's been roughly 20 years, and I was regardez bien cette sœur. 12 sessions of physical therapy. Elle va revenir avec les examens. Come, listen carefully to this sister. Le médecin va dire, mais qu'est-ce que c'est passé? With a, repartez voir ce médecin et revenez. Come back to this doctor and come back here with results. C'est bon. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Amène-la-moi. Bring her forward. Revenez ici. You come up front. C'est ton jour, ma soeur. This is your day. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. L'esprit va te lâcher. This spirit is going to release you. Tu sais que elle, Dieu l'a appelé. Do you know that she's tu sais que Dieu l'a appelé. You know that she's called. Sirène. Mermaid. Sirène. Mermaid. Sirène. Pourquoi Mermaid tu m'insultes? Of waters. Why are you insulting me? Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu m'insultes? Why are you insulting me? Tu sais que celui qui est à moi est plus fort que toi. You know that the one is in me is stronger than you. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Sirène. Mermaid. Aujourd'hui, today, tu vas la lâcher. You will come out of her. Qui croit que Dieu peut? Who believes that the Lord is able to do? Oh. Jesus. Jesus. Il se passe des choses là. Things are going on here. Dis à ton voisin, il se passe tell des choses. Never, things are going on. Là, c'est l'esprit des eaux. The spirit of waters. L'esprit des eaux. The spirit of waters. Cet esprit a une queue très this très longue. Spirit has a very long tail. Cet esprit a trouvé une maison. This spirit found a home. Et il ne veut pas. And it doesn't want to leave this house. Il a peur. But it's afraid. La puissance de Dieu. Of the power of God. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Il peut même pas nous regarder. He cannot even look at us. À cause de la gloire de Dieu. Because of the glory of God. Jesus Christ. Oh Jesus. Oh Jesus. I was given her. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Qui te l'a donné? Who gave it to her? To qui? You. Ils me l'ont donné dans they gave, sa famille. They gave her to me. In her family. À genoux. On your knees. Au nom de Yeshua. No way. Tu vas la lâcher aujourd'hui. You will come out of her. Oh Dieu de gloire. God of glory. Vous savez quoi? You know what? Jésus-Christ est venu. Jesus Christ came. Pour nous racheter. To redeem us. Oh, n'est-ce yes. pas? Didn't he? Frères. Brothers. Écoutez bien. Listen carefully. Ce livre que vous avez là this book that you have est vraiment la parole de Dieu. Is truly the word of God. Vous allez vous-même voir you yourself will la puissance de Dieu the power of God qui vient sur cette jeune fille coming upon her et ce démon and this demon va s'en aller. Is going to come out of her. Ce démon dit que this demon says that cette jeune femme lui a été confiée, donnée. This young woman has been entrusted to him, to it. Mais il se trouve que nous avons but it happens that un papa au ciel we also have a father in heaven qui s'est incarné who became incarnate pour nous racheter to redeem us. Alors so je donne l'ordre I order this demon, à ce démon I order it de s'en aller to come out of her right away. Cette jeune femme this young lady est venue ici has come here elle repartira délivrée and she'll go elle back va témoigner to la gloire free. De Dieu she will testify the glory au of God. Nom de Yeshua in the name of Jesus, la puissance de Dieu alléluia gloire à Dieu glory to God. Oh alléluia il y a une belle onction ici there's là. A beautiful anointing up in here une onction de guérison de délivrance au nom de Yeshua tout genou fléchira au nom de Yeshua toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur un genou maintenant au nom de Jésus de Nazareth oh my God ooh. Jesus do you know how long I've been in this family pourquoi tu veux me faire why do you want me to come si out enfant, if you deliver this girl you'll deliver the whole family no le démon dit si on délivre cet enfant that if they c'est toute la famille qui est délivrée if you deliver this child it's the whole family that's going to be delivered hallelujah hallelujah la Bible dit the Bible says, crois au Seigneur Jésus Christ tu seras sauvé toi et ta famille hallelujah.
savent cela. Demons know that. C'est pour cela and that is why que ce démon a parlé comme ça. Demons spoke like that. Mais comme ce n'est pas ma parole, that is not my word, comme c'est Jésus qui l'a dit, as it is Jesus who said that, maintenant, right now, démon, demon, obéis à la parole de Dieu. The word of God. Maintenant, right away, à genoux, on your knees, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est un ordre que je te donne. Maintenant, right away, maintenant, right away, maintenant, right away, maintenant. Oh, alléluia. Dieu, tu es magnifique. Oh, alléluia. Tout genou. Tout genou. Tout genou. Et toute langue. Que Jésus est. C'est fini, c'est réglé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Why do you want us? Why do you want her to get married? She will be childless. She will not have children. I will not come out of her. Bon. So, que le monde entier regarde. Let the whole world see. Dieu, God, qui a inspiré ce livre, who has inspired this book, est vrai. It's true. Jésus m'a imposé les mains. God laid hand on me. Il m'a dit va et libère mon peuple. Go and set my people free. Le Seigneur dit, fils de l'homme, prophétise. God said, son of man, prophesy. Jeune fille, younger, je prophétise sur toi. I prophesy upon you. Tu vas te marier. You will get married. Tu auras des enfants. You will have au nom de Jésus. In the tu ne mourras Jesus, pas. You shall not tu vivras. You shall live. Tu vas raconter la gloire de Dieu. J'efface ta malédiction. Au nom de Jésus. Maintenant, right now, au nom de Jésus, right à genoux. Jésus. C'est Jésus, 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 Jésus. Reçu le nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu, nom, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. Élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus.
est magnifique. Alléluia. Lève-toi, jeune fille. C'est réglé. Donne-moi ta main. Fini. Tu es baptisé? Are you baptized? Pas vraiment. C'est pas le baptême, ça. Tu veux le baptême aujourd'hui? Tous ceux qui veulent le baptême, venez ici. All those of you want to get baptized today, come. Ceux qui veulent le baptême, venez. All those of you want to get baptized, come up front. Oh my God, alléluia. Magnifique. Jeune homme, Dieu te restaure. The Lord is restoring you, young man. Wow, magnifique le Seigneur. Magnifique le Seigneur. Wonderful is our Lord. Oh, alléluia. Magnifique le Seigneur. Wonderful is our Lord. Magnifique. Wonderful. Magnifique. Magnifique. La vie est là. La vie est ici. Life is here. Je vous dis, I'm telling you, je sens la vie de I Dieu. Feel the life of God. Je sens la mort s'en aller. Je sens les maladies s'en aller. I saw the oh, alléluia. La vie est là. Life of God. La vie, la vie. La vie, la vie. La vie, 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 oh oui, la vie, un chant nouveau. Ta famille, il libère ta famille au nom de Jésus. L'amour, 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 l'amour. Venez à Jésus. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Venez, vous qui voulez le baptême, venez. Comme ça, tout ensemble. La joie, la joie, la joie, la joie, la paix, 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 la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. C'est beau, regardez-moi ce que Dieu fait. Les enfants, la vie, Dieu va faire de toi vie, une femme, une mère de beaucoup d'enfants. Dieu dit, tu es ma perle. You are my pearl. Les questions que vous vous posez, Dieu va vous répondre. The Lord is answer each and every one of us. Vous allez beaucoup aider les autres. You will help a lot of other people. Vous allez beaucoup voyager pour le Seigneur. You travel a lot for the Lord. Aider les pauvres. To help the poor. Dieu vous aime. God loves you. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh, magnifique le Seigneur. Wonderful is the Lord. Magnifique le Seigneur. Wonderful is the Lord. Wow. Alain, mon frère. Ce que Dieu fait est magnifique. What the Lord does is magnificent. La vie. Suivez Alain pour le baptême à côté. Suivez Alain. On va vous baptiser à côté. Alléluia. Regardez les baptisés, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est
Deux jeunes aussi veulent le baptême. Les trois jeunes veulent le baptême. Three of them want the baptism also. Elles veulent la prière they en même temps. Levons nos mains pour sur elles. Sur elles. Il y a une onction qui vient sur elles. Dieu les guérit. Dieu les délivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les démons qui vous embêtent sortent maintenant. Quittez ce corps maintenant. Quittez ce corps. Quittez ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Quittez ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Quitte-la. Quitte-la. Sors démon, sors, sors, allez sors, sors, sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth, sors d'elle au nom de, quittez ce corps, allez sortez de ce corps, allez sors d'elle, sors, tu es vaincu à la croix au nom de Jésus de Nazareth, tu t'en vas, lâche-la, elle ne veut plus de toi, sors d'elle, ô Dieu d'Israël, que l'épilepsie te lâche, jeune fille, maintenant, quitte-la. Quitte-la, démon. Right sors d'elle. Je dis sors d'elle. C'est un démon qui s'en va It's maintenant. Right c'est un esprit impur qu'on a mis sur toi that was put on you depuis le ventre de ta mère. Since your mother's womb. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Right tu auras une vie normale you désormais. Normal life tu vas témoigner la gloire de Dieu partout. Glory of God au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire. God of glory. Oh Dieu de gloire. God of glory. L'épilepsie s'en va. Epilepsy is coming out. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est réglé. It's over. Tu vas voir ça, c'est réglé. You'll see. Oh, alléluia. Hallelujah. Dieu te libère de la colère. Il te libère du péché. Il te libère des pensées impures. Que Satan t'envoie. Tu ne seras pas un instrument du diable. Au nom de Jésus de Nazareth. Fini. Allez prendre vos baptêmes maintenant. Right c'est magnifique. Allez prendre vos baptêmes. C'est beau. C'est beau. Dieu travaille. God works. Oui. Il est ici. Il est à Londres. Dieu peut le guérir. Que Dieu fasse sa volonté parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Dieu d'Israël. Lâche. Lâche ce corps, cette famille. Maintenant, nom de Yeshua. Oh God. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Tu seras opéré jeudi. Ben, tu penses que le Seigneur peut te guérir là? Jesus. Alléluia. Jesus. Sors de ce corps, nom de Yeshua. Jesus. Alléluia. Jesus. Jesus. Alléluia. C'est réglé. Oh, alléluia. C'est bon, c'est réglé. Sylvain, j'ai déjà prié pour toi pour ça. Sylvain, et mon frère et le fils, les trois prédicateurs de tout à l'heure, venez prier là. On va profiter de l'onction que le Seigneur vous a accordée pour bénir les frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Tu veux prendre le baptême? Comment, oh, mais c'est magnifique. Eh bien, cours là-bas, là, de l'autre côté là-bas. Alléluia, Jesus, alléluia. Oh, voilà. Tu veux activer ton baptême? Eh bien, tu peux y aller au nom de Yeshua, alléluia. Tu as une douleur, mais ça va aller après le baptême, c'est bon. Depuis 46 ans de souffrance. Oh, oh. Vous pensez que Dieu peut la guérir? 46 ans de maladie. Qui croit que Dieu peut la guérir? Moi, je crois que mon Père Céleste. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, nous chassons cette maladie de ce corps au nom de Jésus. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Démon, il y a un démon. Il y a un démon. Chrétien, chassez ce démon. Chassez ce démon. Et là, il s'en va là.
quitte ce corps démon au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Je dis sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Il est en train de dire où part, où irai-je. It's saying, hein? Where should I go? Mais là où tu, d'où tu viens là, you go, go. Sors, sors au nom de Jésus. Come out in the name of Jesus. Oui, mes soeurs, chassez ce démon. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, pasteur Sylvain, on va prier pour les gens là. Ce sont des pasteurs qui ont une onction. He's the pastor who have une grâce de Dieu. Ils vont prier pour vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Priez pour vous. Venez, allez les voir, ils vont prier pour vous. Go to them and they'll lay hands on you. Ce n'est pas forcément obligé que ce soit moi. It's not necessarily me who needs to pray. C'est la foi qui amène la guérison. It's faith. Through Alléluia. Faith you can obtain your deliverance. Oh, Jesus Christ. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu as perdu 5 grossesses. Eh bien, la prochaine grossesse, tu vas la garder. Tu vas avoir cet enfant-là. Au nom de Jésus. Allez, tu quittes ce corps-là, là, démon de mort, là, au nom de Jésus de Nazareth. C'est réglé. Voilà, c'est bon, tu es enceinte. Hein? Le cancer, là. C'est fini ton cancer, là. Tu crois ça? Le serpent était chassé. Tu vas revenir avec les examens, comme quoi le cancer a disparu. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas t'asseoir, c'est réglé. D'accord, on va prier pour tout ça là. On va faire une onction, Elvis. Cet évangéliste là va prier pour toi. Une onction de guérison sur lui. Alléluia. Ça va toi? Dieu est bon. Oh, alléluia. D'accord. D'accord. Ça va aller. Tendons nos mains vers ces personnes, frères et sœurs. Et une onction de guérison, de miracle. Au nom de Yeshua, lâche-la. Lâche-la. Elle sort de là. Sors de là. Sors de là. Quitte-la. Voilà. Quitte-la. Sors de là. Sors de là. Sors de là, démon. Tu es vaincu, tu es démasqué au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, tu remontes et tu sors. Tu remontes. Elle te vomit. Tu sors. Elle tu sors. Elle tu sors. Elle tu sors. Elle tu sors. Sors. Sors de là. Au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Voilà, elle te vomit au nom de Jésus de Nazareth. Allez, go, allez, go, allez, go, allez, go. Voilà, elle te vomit au nom de Jésus. Allez, sors de là au nom de Jésus de Nazareth. Elle va vomir cette sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Prions, frère, prions au nom de Jésus. Sors de là. Oui, sors de là. Christelle, Christelle, tu peux prier pour son ventre, Christelle. Touche son ventre ici, Christelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est au niveau de son ventre, elle va vomir quelque chose. Oh God, oh alléluia. La sorcellerie sur toi est exercée. On veut te tuer. La mort s'en va au nom de Jésus. Allez, sors de là. Sors de là. Quitte-la. On acclame Jésus. Sors de là. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Chasse les démons de mort là. Chasse les démons de mort là, s'il te plaît. Le démon de mort là, qui est là, là. Au niveau de son utérus là. Oh God. A spirit of death in her uterus. Oh God, Dieu te donne une fille au nom de Yeshua. Une fille, ma soeur. Dieu lui donne une fille au nom de Yeshua. Alléluia, Déborah, c'est ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, te dit le Seigneur. Je te connais, je t'aime. Dieu te dit, je te donne plusieurs enfants. Les gens seront étonnés. Dieu enlève ton opprobre au nom de Yeshua. Après ce miracle-là, tu vas aider les veuves. You will help the widows. Tu vas aider les veuves. You will help the widows. Et ton appel this is your au nom de Jésus de Nazareth. C'est bon, c'est réglé. This is all right now. Oh, God. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, il y a une onction de guérison sur toi. Là. Allez, quitte ce corps. Allez, quitte ce corps. Allez, quitte ce corps comme ça. Là. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Voilà, sors de là. Sors de là. C'est réglé. C'est réglé. Tous ces problèmes-là. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Une onction de guérison. Une onction de guérison. Ça fait combien de temps tu as ta béquille là? 22 ans. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, God. Alléluia. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. Oh, my God. Jesus. Une onction de guérison. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia.
Jesus Christ. Alléluia. Jesus Christ. C'est bon. Mon frère Jean-Rémi, venez prier pour les gens là. Il y a des cas là. Au nom de Yeshua, alléluia, c'est réglé. Oh, alléluia. Sors de ce corps, allez, va-t'en de ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Allez, sors de là. Au nom de Jésus. Allez, sors de là. Voilà. Allez, sors, démon. Allez, sors de là, sors de ce corps là. Allez, sors. Il y a un esprit là, ici, là, qui s'en va là au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors d'elle. Oh my God, alléluia. Et une onction de guérison là au nom de Jésus, elle sort. Allez, sors de là. Aidez-la, sors de là, démon. Oh, alléluia, sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors de là, Jesus Christ. Alléluia. Tu vas concevoir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Jesus Christ. Une onction de guérison sur toi là. Quitte-la, la mort, sors d'elle. Allez, sors de là, démon. Sors de là, tu as peur. Voilà, démon. Cette femme est délivrée aujourd'hui dans le Yeshua. Oh, alléluia. Il ne mange jamais. Oh, alléluia. Il faut quoi? Toujours de la vitamine pour qu'il mange. Il a 4 ans, il ne mange jamais. Chut. Voilà. Qui croit que cet enfant peut manger normalement? Le nez aussi. Il ronfle toujours. Oh gars, tu as un biscuit là? Qui c'est qui a un Laurent, donnez-moi quelque chose à manger pour cet enfant là. Le démon là, tu vas sortir de au nom de Yeshua. Sors d'elle! Oh alléluia. Oh alléluia. Jesus Christ. Mon frère Isaac, tu peux venir prier pour nous avec nous? Viens prier avec nous. Oh alléluia. Jesus Christ, alléluia. Loïc, s'il te plaît, viens prier, s'il te plaît. Tu es un homme de Dieu aussi, viens prier pour nous. Au nom de Yeshua, alléluia. Laissez passer ce frère, il va prier ici. Au nom de Yeshua. Voilà. Le démon de mort s'en va, on acclame Jésus de Nazareth. Qui croit que cet enfant peut manger normalement? Il lui faut des vitamines à chaque fois pour qu'il mange. Et aujourd'hui, Dieu le guérit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia, God. Oh, alléluia. Oh, que la puissance de Dieu délivre cet enfant au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Bonjour. Ta main, l'autre main. Voilà. Ça va? Comment tu t'appelles? Abou-Gidio. Ok, tiens. Allez, mange-moi ça là. Au nom de Jésus, mange. Mange bien comme il faut. Oui, mange. C'est bon, hein? Voilà. Au nom de Jésus. Allez, mange-moi ça, mon enfant là. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. C'est bon? Jesus Christ. Mange-moi ça là. Ma soeur, c'est réglé, c'est fini. Tu peux rentrer avec cet enfant là. C'est bon, on acclame Jésus de Nazareth, c'est bon. C'est réglé pour toi, c'est réglé. Le bonjour des frères du Gabon. De Libreville. Limoges, alléluia, gloire à Dieu. Ben, on se verra à la fin, Limoges, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, God, my God, my God, my God, my God. Il y a des miracles que tu opères là. C'est fini. Tout est réglé dans ton corps là. Tu as tout restauré. C'est réglé. Et ça réglé. Réglé. Hein? Tu vas voir. Ok. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jesus. Oh. C'est pas la peine de parler à chaque fois. C'est réglé, ma soeur. Hein? Amen. C'est bon, c'est réglé. La foi. La foi. Oh. Tu veux partir, tu veux abandonner l'alcool. Vous croyez que tu peux le libérer là de l'alcool là? Oh, alléluia, gloria, alléluia, alléluia. Oh, que le démon s'en va, sort de ce corps. Esprit maléfique au nom de Jésus. Allez, sors de cet homme. Allez, sors de là. Allez, sors de là. Quitte-le. Allez, quitte-le. Allez, quitte-le. Allez, quitte-le. Allez, sors de là. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. C'est un sort qu'on lui a jeté. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. On acclame Jésus, il s'en va. Allez, sors de là. Il s'en va. Allez, sors de là. On acclame Jésus de Nazareth. Le démon d'alcool, il est parti au nom de Jésus de Nazareth. Il est parti. Oh, Dieu fait des choses ici. Oh, Dieu fait des choses ici au nom de Yeshua. À peine elle est arrivée là, vous avez dit c'est bon, elle est sortie, elle a dit Jésus m'a guéri. Et c'est la première fois qu'on entend le dire. Elle a dit Jésus m'a guéri. Gloire à Dieu. Maison qu'elle est une peu de désobéissance quand on dit on va faire venir Shura ou on t'appellera Shushua. Ah ben là c'est réglé. Que Dieu soit béni mon frère. Bon courage.
Ouh. Ouh. Allez-y, allez, on va prier pour vous. C'est le même esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Sois loué. Jesus. Sors. Quitte-la. Sors d'elle. Sors, la dame Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Célibat. Allez, sors. Célibat. Allez, sors. Allez, sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Célibat. Allez, va-t'en. Oh, célibat. C'est un démon de famille. Allez, va-t'en d'elle. Allez, sors d'elle, serpent. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Jesus. Sois loué. Cauchemar sur cauchemar. Dieu peut le guérir, n'est-ce pas? Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Jesus Christ. Oh God, my God. Oh alléluia. C'est réglé. C'est bon. Oh alléluia. Voici la puissance de Dieu. C'est réglé. Il se passe de choses aujourd'hui. Il se passe de choses aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oh, tu veux des enfants? Michael. Ouais, c'est réglé. C'est réglé, tu peux y aller. Au nom de Jésus. Allez-y, allez-y, on va prier pour vous. Jesus. Allez-y. Au nom de Yeshua. Oh my God. Oh alléluia. Beaucoup chanter pour Dieu. Oui. Dieu va ouvrir ta voix, ta langue. God, we open up your voice in your tongue. Il ouvre ton intelligence. He opens your intelligence pour les études. For school. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il va toucher tes parents. He will touch your parents. Il va visiter tes parents. He will visit your parents. Dieu God te connaît. Knows you. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il ouvre ton intelligence. He opens your intelligence. Tu vas aller loin dans les études. You will go far. Il te dit je t'aime. Said, je t'aime. Je t'aime. Voici l'onction. Voici l'onction. Au nom de Jésus. Tu auras tes diplômes. Au nom de Jésus. Oh God. Oh God. Oh God, my God. Alléluia, Jesus Christ. C'est un démon de folie. Allez, sors de là. Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Quitte-la. Quitte-la. Tu m'entends au nom de Yeshua. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Voilà, sors d'elle, allez, sors d'elle. On acclame Jésus. Allez, sors d'elle. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, God, my God. Jesus Christ. Il y a une onction sur toi pour la guérison. Jesus. Allez, sors. 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 Sors d'elle. Oh, my God. My God. My God. Alléluia. Qui croit que Jésus est Seigneur? Who believes that Jesus is Lord? Tu as que de filles? Viens, viens. Tu peux prier pour elle. C'est une femme de Dieu. On va prier pour toi. Tu auras les enfants que tu veux. Oh my God, hallelujah. Tu manges souvent la nuit, viens. Viens. Attends, attends, attends. Attends. Tu peux prier pour elle? Viens ici, mon frère. Va voir cet homme. Il va prier pour toi. Tu vas voir quand même. De restaurer, d'accord? Viens. Ça va aller. Viens prier pour elle. Tu vas voir quand même. D'accord? La foi. Tu vas voir. Elle va prier pour toi. Tu vas voir après. Ma soeur, je me laisse guider par l'esprit. La foi, elle va prier pour toi. Sois loué. Sors de là, allez, sors de là, au nom de Jésus de Nazareth.
arrive. Attends, sors. Prends le Jésus de Nazareth. Sois loué. Allez, sors. Ça te lâche là. Oh my God, alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu est là? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Jesus. Sors de là. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Corps, non, Jésus. Allez, tu sors de là. Tu m'entends, sors de là. Quitte ma soeur, non, Jésus. Sors d'elle. Elle remonte, non, Jésus. Sors de là, non, Jésus. Nazareth. Jesus Christ. C'est bon. Jesus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, non, Yeshua. Oh, alléluia. Sors de ce corps, maladie.
brise tout ça. Non, Jésus de Nazareth. Allez, sort, allez, sort, allez, sort. Sors, non, Jésus. Allez, sort. Allez, remonte, non, Jésus. Allez, go, allez, go, allez, go, allez, go, allez, go. Allez, sors de là. Voilà, sors de là, allez, sors de là. Sors de là, non, Jésus. Allez, sort, allez, sort. Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la, allez, sors de là. Acclamez Jésus, frère, alléluia. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh God. Oh God, my God. Alléluia. Jesus, merci. Jesus. Oh alléluia. Le Seigneur. Là, c'est le corps de Christ en mouvement. Avec des ministères qui sont là, Dieu guérit son peuple, délivre son peuple au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Viens, ma soeur. Oh my God. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Dieu est bon. C'est ça le royaume. Prendre rendez-vous. On va voir ça. Mais enfin, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça. On va voir ça. Je laisse d'abord l'esprit me guider là. Oh God, my God. Quelqu'un ici souffre d'hémorroïdes depuis longtemps. Somebody here has been suffering from hemorrhoids for a long time. Des hémorroïdes depuis longtemps. For a long time. Je n'ai jamais prié pour toi. Je n'ai jamais I've prié never pour prayed toi. For you. C'est toi? Is it you? Stand up. Les hémorroïdes disappear right away. Quand tu vas rentrer chez toi, when you come home, you'll see how ended it is. Au nom de Yeshua. However it is. Ma sœur, l'esprit me guide. D'accord? Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Quelqu'un ici a beaucoup de vertiges. Somebody here is feeling a lot dizzy. Le Seigneur te libère de vertiges au nom de Yeshua. The Lord is freeing you from the dizziness. C'est réglé ce problème. It's over. This problem is over. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh my God, my God, my God, my God. Thank you, Jesus. Au nom de Yeshua. Thank you, Lord. Au nom de Yeshua. Oh Jesus. Oh.
Y a-t-il des gens qui veulent se convertir? Is there anybody willing to convert? Oh, toi mon frère, merci Seigneur. Jesus. Wow. Dieu t'appelle. God is calling you. Il y a un appel sur toi. There is a calling upon you. Dieu veut que tu pries davantage. God wants you to pray even more. Il veut se révéler à toi. He wants to reveal himself to you. Il veut te guider. He wants to guide you. Il veut essuyer tes larmes. He wants to wipe off your tears. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Oh my God, my God, my God. Jesus. Oh alléluia. Oh alléluia. C'est réglé votre problème au nom de Jésus. The problem is over. Au nom de Jésus Nazareth. In the name of Jesus. C'est réglé ce problème, c'est réglé au nom de Jésus Nazareth. Dieu veut se révéler à vous. God wants to reveal himself to you. Puissamment, powerfully. Vous avez beaucoup de questions. You have many questions. Le Seigneur veut répondre à chacune. The Lord wants to answer each and one of it. À chacune d'elles. To each and one of it. Comme un père. Just like a father. Dieu va répondre à vos questions. God will answer your questions. Il va vous aider. He will help you. À comprendre la parole. To understand the word of God. À comprendre le sens de la vie. Understand the meaning of life. Dieu te dit, God tells jeune you, young man. Il voit ton cœur. He sees your heart. Il voit ton âme. He sees your heart. Tu aimes beaucoup aider. You like to help. Tu aimes people. Beaucoup rendre service. You like to help people. Dieu veut ouvrir une porte pour toi. The Lord wants to open a door for you. Il te dit, viens devant mon trône. He tells you, come forward to my throne. Comme un médecin, just like a doctor, Dieu veut se servir de toi pour guérir les autres. God wants to use you to help other people. Toi, Dieu te dit. God says, tu vas beaucoup bouger. You will move a lot. Tu vas beaucoup voyager. You will travel a lot. Je veux te faire tourner. I want to make you turn around. Tu aimes beaucoup voyager, bouger, like to découvrir travel, les choses. Discover things. Dieu te connaît. God knows you. Oh, alléluia. Alléluia. Et tu vas voyager dans les nations. And you will travel throughout the tu nations. Vas découvrir d'autres peuples. You will discover other people. Tu vas beaucoup aider les pauvres. You will help the poor. C'est le cœur que Dieu t'a donné. This is the heart that the Lord has given you. Tu n'aimes pas l'injustice. You don't like injustice. Tu n'aimes pas voir les autres souffrir. You don't like to see other people suffering. Tu es beaucoup révolté par rapport à ce qui se passe. You are revolted by what's going on. Je veux t'enseigner ma parole. The Lord tells you that he wants to teach you his word. God is real. Dieu existe. God is real. Oh Dieu de gloire. God of glory. Qui veut de Dieu? Who wants of God? Oh Dieu est grand. God is great. Tout le monde veut de Dieu. Everyone of one of God. Hallelujah. Oh my God, my God. Il y a une nuée autour de toi. There's a cloud around you. Jeune fille. Younger. C'est ta délivrance aujourd'hui. This is your deliverance today. Maintenant. Today. Les problèmes te quittent. Problems are coming out. Maintenant. Right now. La maladie quitte ta famille. Disease come out of your family. Dieu dit je guéris ta famille. God says I'm curing your family. Je libère ta famille de la I am setting your family free from slavery. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Le Père touche ton cœur. The Father touches your heart. Il te guérit aujourd'hui. And he heals you today. Je te vois en robe de mariée. I see you wearing a wedding gown. Beaucoup d'enfants derrière. Having many children behind you. Tu accomplis ses promesses en toi. God accomplishes his promises in you. In the name of Jesus. Oh, lève-toi. Stand up. Voici l'onction sur toi. Here's the anointing upon you. Voici l'onction sur toi. Here's the anointing upon you. Voici l'onction sur toi. Here's the anointing upon you. La puissance de Dieu. The power of God upon you. In the name of Jesus. Oh, Dieu est magnifique. God is wonderful. Wow. Il y a quelque chose qui sort d'elle. There is something that is coming out of her. Elle reçoit ta délivrance. She's receiving her deliverance. Les liens familiaux sont brisés. The family bounds are broken. Les liens ancestraux sont brisés. The ancestral bonds are destroyed. Partez au nom de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire. God of glory. Tu as eu ton baptême? Did you have your baptism? Fini la folie. Madness is over. Tu vas avoir un travail. You will have a job. Avoir une vie normale. You will have a normal life. Des enfants. Children. Tu vas témoigner de partout. You will testify everywhere. Que Jésus est Dieu. That Jesus Christ is au God. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. J'ai vu le Seigneur prendre un seau. I saw the Lord take a seal. Et le mettre sur son visage. And seal her forehead. Pour dire c'est approuvé. To say that it's approved. C'est réglé. It's approved. Réglé.
annulée. Over. Au nom de. In the name of Jesus. Jésus. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Oh Dieu est magnifique. God is wonderful. Il est magnifique. He is wonderful. Ce monsieur là-bas. This man over there. Dieu l'appelle. God calls him. Dieu l'aime. God loves him. Tu as vécu beaucoup de choses dans You've ta been vie. Through a lot of stuff through beaucoup your life. Beaucoup de difficultés. A lot of troubles. Beaucoup de méchanceté. A lot of wickedness. Beaucoup de déceptions. A lot of disappointment. Le Seigneur te dit. The Lord says. Je t'appelle. I call you. Je veux me révéler à toi. I want to reveal myself to you. Je veux essuyer tes larmes. I want to wipe off your tears. Je te guéris. I heal you. Je te soigne. I cure you. Car je t'aime. Because I love you. Oh Dieu d'Israël. Thank you Jesus. Qui veut se convertir? Who wants to convert? Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Who never gave his heart to Jesus and want to do it right now? Ceux qui veulent se convertir à Jésus, levez-vous. Those of you who want to convert to Jesus, oh, raise your hand. Ok, ça va aller. T'inquiète pas. Qui veut se convertir? Who wants to convert over there? Qui d'autre? Who else? Ici. Lève-toi. Merci, Stand Seigneur. Up. Va là-bas. Come qui d'autre? Go up front. Qui d'autre? Vous voyez ce qui se passe ici, là, mes amis, là? See what's going on here. Les gens se tournent vers Dieu. People convert. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, magnifique le Seigneur. Wonderful is the Lord. Lisette. 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 Hein? Qui connaît Lisette? Who knows somebody named Lisette? Oh, il y a une Lisette. There is a Lisette. Que Dieu veut restaurer. That the Lord wanna restore. Que Dieu veut, à qui Dieu veut faire du bien. To whom the Lord wants to do good. Dieu veut essuyer ses larmes. The Lord wanna wipe her tears. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, que Lisette nous appelle si elle nous entend ce May soir. May Lisette call us right now. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Dieu, magnifique. That's wonderful. Wow, quelqu'un prie pour Pierre ici. Somebody is praying for somebody named Pierre. Oh, tu as beaucoup prié pour Pierre. You prayed a lot for Pierre. Oh, hallelujah. Ta prière est exaucée. Your prayer is answered. Oh, hallelujah. 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 C'est toi qui prie pour Pierre? Ton père, c'est Pierre? Viens ici, on acclame le Seigneur de gloire. En sortant d'ici. Coming out of here, Dieu le restaure. The Lord restores him. Dieu le guérit. The Lord heals him. Dieu touche son cœur. The Lord touches his Au heart. Yeshua, his heart. In the name of Jesus. Il va témoigner de la gloire. He will testify the glory Dieu. Of God. In the name C'est of réglé. Jesus. It's over. Mm-hmm. Oh. Quelqu'un a des plaques. Somebody has patches. Ça te gratte. And it's itching. C'est fini, c'est réglé. It's over. C'est fini. Sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. Sors de là. Regardez-moi ces plaques là. Regardez-moi. Come out. Fini. It's over. Jesus Christ. On acclame Jésus de Nazareth. Give a hand clap unto the Lord. Oh God, God, my God, my God, my God, my God. Il se passe quelque chose ici. Things are going on here. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dieu te dit, tu es ma princesse. God tells you, you are my princess. Je te vois dans les bras du Père. I see you in the arms of the Father. Il te caresse. And he's stroking you, your hair. Il te dit, tu m'appartiens. And he tells you, you belong to me. Tu veux tellement que le Père se révèle à toi. You want so much that the Father reveals himself to you. Il me dit, dis-lui, j'ai entendu. He tells me to tell you, he heard. Je l'entends quand elle prie. And he's hearing you when you pray. Tu demandes au Père de se révéler. You're asking the Father to reveal himself parler, to you, to talk to you, de toucher tes amis, to touch your friends, de toucher les gens to que tu touch connais. The people that you, that Dieu you dit, know. J'ai entendu ta prière. I heard your prayer. Tu pries pour les autres. You pray for others. Que Dieu les délivre. That the Lord deliver du them. Du péché. From sin. De l'alcool. From alcohol. Tu as entendu. You heard. Ta prière. He heard your Cet prayer. Cet homme. This man. Est délivré. Will be delivered. Restauré. Restored. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Dieu te dit. The Lord says. Tu es ma missionnaire. You are my missionary. Ma messager. My messenger. Je marcherai. I will walk. Devant de toi. Ahead of ma you. Ma fille. My daughter. Ma fille. My daughter. Une onction. An anointing. Prophétique. Prophetic sur anointing toi. Is upon Maintenant. You. Right now. Jesus Christ. Oh. God, God, my God. On acclame Jésus de Nazareth. Il y a quelque chose ici. Woo! Jesus Christ. Oh my God. Jesus. Jesus. Woo! Elle a été consacrée à Dieu. She was consecrated to Elle God. Elle a été consacrée à Dieu. She was consecrated to Dieu God. T'a exaucé. God exhausts you. Dieu te dit, je te God connais. Answered. He said, I know you. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es une sentinelle. You are a watchman. Dieu va toucher cette région. The Lord will touch this Dieu region. Dieu va toucher cette ville. He will touch this Le city. Feu va arriver là-bas. The fire will get Au there. Nom de Yeshua. In the name of Jesus. Le feu va arriver. The fire will get Au there. Nom de In Yeshua. The name of Jesus. Woo! My God. Jesus. Il y a quelque
quelque chose ici là, quelque chose. There's something up here. There's something up here. Il y a quelque chose. There's something up here. An anointing. De libération là, mes amis. Freedom. In the name of Jesus. 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 Ooh. Ooh. It's a big one right there. Laissez-moi la place là. Leave me some space. Leave me some room. Femme, woman, c'est ton jour. This is your day. Elle a été enterrée. She was buried. Enterrée. Buried. Je vois la main du Père. I see the hand of the Father. Qui sort. Which is coming her out. Ciel. Of heaven. Qui la sort. And take her out. Qui la sort. Take her out. De sa tombe. Of her tomb. Comme Lazare. Just like Lazarus. Comme Lazare. Just like Lazarus. Comme Lazare. Just like Lazarus. Lazare. Just like Lazarus. Sort. Come out. Sort. Come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Acclamez le Père de gloire. Oh Dieu d'Israël. Dieu est trop fort. God is so Dieu strong. Est magnifique. God is wonderful. Dieu est glorieux. God is glorious. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Thank you Jesus. Oh God, my God. Oh toute votre famille, Dieu va la visiter. Your own family will the Lord visit. In the name of Jesus. Oh alléluia. In the name of Jesus. Vous verrez vos petits-enfants au nom de Yeshua. La puissance de Dieu. The power of God. Oh alléluia. Oh alléluia. Hallelujah. Les amis pour qui vous priez, Dieu va visiter. Your friends that you pray for, the Lord will visit. Vous allez voir le réveil de votre famille. You will see the revival in your family in the name of Jesus. Oh alléluia, Dieu d'Israël. God of Israel. Oh. Il se passe des choses. Hein? Things are going on here. Il se passe des choses. Things are going on here. Quelqu'un, somebody, la prostate has a problem in her prostate, and it's over. Prostate. La prostate. The prostate. On a remplacé ta prostate. Your prostate was replaced. On t'a donné la prostate d'un enfant. You were given the prostate of a kid. Oh God, my God. Une femme, des trompes. A bouchées. Woman has a clogged trompes. Le médecin t'a dit tes trompes sont bouchées. The doctor told you your trompes are clogged. Un ange est en train de les déboucher. An angel is unblocking those trumps in the name of Jesus. He is unclogging those trumps in the name of Jesus. Oh God, my God. Une femme a dit à Dieu. A woman told God, donne-moi un enfant. Give me a child. Je vais te glorifier cette année. I will glorify you this year. Voici woman, l'enfant que tu here is the kid. Voici l'enfant que tu attendais. He's the kid that you've voici been expecting. Voici le bébé que tu attendais. He's the baby you've oh, been expecting. God, my God. Hallelujah. Il se passe de choses. Things are going on here. Jesus. Jesus. Quand il y a l'onction comme ça là, vous pouvez enlever vos béquilles là, vous sautez. When there's such anointing, you can just, you know, send, throw your crutches away. Bougez vos jambes. Move your legs around. Move your legs around. And walk without the crutches in the name of Jesus. Saisissez la grâce. Grasp the grace. Genou, on t'a opéré. Knee, you were operated. Douleur est partie, regarde. The pain has left. Move your legs around. It's over. Voilà, marche. Walk in the name of Jesus. Alléluia. Allez, on fait comme ça là. Et voilà. Alléluia. 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 Jesus. Jesus. Alléluia. Alléluia. Tu peux l'enlever maintenant. C'est fini. You can take it out right now. Jesus Christ. C'est réglé. It's over. C'est réglé, c'est réglé. It's over. Everything's over. Quand l'onction est comme ça, when the anointing is like that, c'est pas à moi de parler, c'est à vous de saisir. It's not up to me to talk, it's up to you to grasp. Jesus Christ. Oh Lord. Jesus Christ. Hallelujah. C'est pas à moi. It's not up to me. C'est à vous de saisir. It's up to you to grasp. C'est à vous de saisir. It's up to you to grasp. C'est à vous de saisir. It's up to you to grasp. C'est à vous de saisir. It's up to you to grasp. Je vois des anges avec des cadeaux ici. I see angels with presents. C'est à vous de saisir. It's up to you to grasp them. It's up to you to grasp them. In the name of Jesus. Je vous dis, God will tell you, une onction prophétique, a prophetic anointing, l'onction du réveil, a miraculous va revival, vous accompagner partout, will go with you. Vous allez voir des handicapés marcher, you will see handicapped people, vous allez voir des aveugles voir, you will see blind people la see. Région là-bas sera the visitée, the region will be visited, la puissance de la résurrection, the power of resurrection, Jesus Christ, hallelujah, oh my God, my God, my God, Jesus, 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 regardez-moi cette jambe qui s'allonge, look at this leg, Jesus, getting longer. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh my God, my God, my God. Oh, que ton handicap finisse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Jesus Christ. Oh, Jesus. 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 Jesus.
Allongez-vous correctement. Get long. Soyez maintenant correctement établi. Be correctly long. Hein? Ah ben voilà. Les jambes se redressent d'elles-mêmes. People are getting long, legs are getting longer by themselves. Fini le péché chez vous. Sin is over. Fini. Over.
Gloire à Dieu. Amen. Dimanche 5 octobre, nous serons à Niort. We will be in Niort. Partager l'évangile. Share the gospel. Et avec mon frère Sylvain et beaucoup d'autres frères et sœurs. Different brothers. C'est à quelle heure? 10h30, mais je pense dès 9h il y aura déjà des gens. 10:30. Vous avez loué des tentes, c'est ça? Des... On a loué trois grandes tentes, so plus 150 chaises de plus. Je ne sais pas comment on va faire pour. En tout cas, il y a une mobilisation terrible. Les gens veulent venir de partout, de Bordeaux, de toute la région. On s'attend à Dieu. So we're expecting God. We're waiting on him. Ceux qui veulent partir à mission ce dimanche-là, il n'y a pas de problème. Et c'est à New York, c'est pas New York, c'est à New York. Très souvent on a tendance à croire que c'est New York. Et donc à partir de 10h30, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Peut-être juste la précision pour l'adresse. Je ne sais pas s'il faut l'écrire ou si le bien-aimé peut le mettre.
sur TV de vie. Ok. Ouais, on va l'écrire. Hein. Et, 21 rue des Charmes. Tu peux m'aider, mon frère. 21 rue des Charmes, Bessines. Voilà. 21 rue des Charmes, Bessines. Charme. Ouais. Bessines. 2S. Voilà. S. Voilà. 79 000 Niort. Pas un téléphone. 06 34 06 32 59 06 34 06 encore. Ouais. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, pour... Vous avez créé aussi un site, ouais, c'est bien. On va mettre sur TV de vie. Voilà, parfait. C'est quoi? Vivre l'évangile. Vivre l'évangile. Point. Pour l'instant, c'est sur YouTube. Sur YouTube et après, ça va être sur Google. Parfait. Dieu soit béni. Voilà, donc c'est vraiment pour diffuser massivement la parole. Hein. On n'a pas mis le nom de ville pour que ce soit vraiment ouvert à tous, tous ceux qui aiment la vérité dans la région. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, pour le projet de la Bible, tous les livres sont finis. Amen. Gloire à Dieu, on peut vraiment bénir le Seigneur. J'ai montré aux frères le produit. Hein. Vraiment, on a hâte vraiment d'être à décembre là parce que c'est vraiment un héritage. Je crois que ce qu'on est en train de vivre, c'est glorieux. C'est glorieux parce que je sais même pas, j'ai pas de mots. Hein. C'est quatre des années. Beaucoup d'années. Parce qu'en fait, pour tous ceux qui veulent avancer avec les seigneurs, ce sont vraiment des expériences, des années que nous, on n'a pas eu, des expériences qu'on n'a pas eues, des révélations que nous, on n'a pas eues. On gagne, bien aimé, on gagne. Comme la Bible dit, racheter le temps. Avec ça, là, on va racheter beaucoup de temps. Tout le temps que tu as perdu, là, tu vas racheter avec ça. Alléluia. Amen. On disait tout à l'heure avec les frères que les théologiens mettent des années pour faire ça. Mais quand on travaille avec l'esprit qui a inspiré cette parole, les choses se font autrement et tellement vite et de manière merveilleuse. Donc, c'est vraiment, c'est beau. Alors, c'est, y a pas de mots. Nous bénissons le Seigneur. Donc on est en train de faire les dernières finitions. So we are finishing everything up. Et le 30, le premier je crois, si je me trompe, on envoie tout we send everything out chez l'imprimeur. To the printer. On a déjà envoyé les cartes au temps d'Israël, cartes au temps d'Abraham avant, cartes au temps de Paul, au temps de Jésus. Et beaucoup d'autres surprises. And many other surprises. Le 19, nous sommes où? À partir de quelle heure? From what time? D'accord. Officiellement, le programme commence à 18h30, 19h. Mais j'ai eu le propriétaire de la salle, il m'a dit qu'ils l'ont agrandi. Donc, elle est plus grande qu'en 2012. The one that we were in 2012. Et donc, on l'a de midi au lendemain, 8h. From 12 to the next day, 8 a.m. Les frères et sœurs de the brothers and sisters from Melun se sont dit, nous voulons saisir l'occasion that we want to grasp the occasion pour annoncer l'évangile. To announce the gospel. Et ils ont loué une autre salle de 3000 places. And they rented another 3000 seats room. Le 26 décembre, on a une soirée prophétique. We have another prophetic c'est-à-dire evening. Nous allons adorer le Dieu de la Bible. Of the Bible. Et donc en fait,
du 19 à la fin de l'année, il y aura plusieurs programmes de réveil. Matin et soir, matin et soir, le 26, la soirée d'adoration, il y aura des sœurs, des frères qui chantent, qui vont entonner des chants avec nous. Et le 31 décembre, on est en prière encore. Janvier, le débarquement commence. Alléluia. Le 5, on est à Niort, le 5 octobre. Le 12, nous sommes à Trappes. L'adresse est sur le site de TV de Vie. C'est un dimanche, nous sommes à Trappes. On a pris une salle de 600 personnes. We rented a 600 seats. Ceux qui sont de 78, vous êtes invités. On vous donnera toutes les informations après. Le 19, nous sommes à Stuttgart. Le 26, nous sommes à Nice. We are in Nice. Nice et Marseille là-bas, là, tout ça, là, tout ça. Antibes. Alléluia. Janvier, débarquement. Lyon, Nantes, Strasbourg. Lille et Martinique, Guadeloupe, tout ça là, le Gap, partout là mes amis, on va bouger avec vous, avec le Seigneur. Amen. Et pensez à nous dans vos prières s'il vous plaît. D'accord. Une sœur a reçu un message par rapport aux gens qui combattent le travail du Seigneur. About the people who are fighting the God's work. Elle pourra le diffuser après, on va voir pour qu'elle le donne tranquillement. Et nous avons besoin de vos prières par rapport à tout ce que Dieu nous a confié. Surtout par rapport au programme du 19. Pensez à nous-mêmes une seconde par jour. D'accord ? On a vraiment besoin de vos prières. S'il vous plaît. Et nous ne travaillons pas pour l'argent comme vous le savez. For money, as you already know. Mais ces programmes nécessitent un peu de finances. Ce que Dieu vous mettra à cœur, so faites-le librement, heart, dans la paix. Do it freely in peace. Voyez avec David, et le Seigneur se glorifiera. Que Dieu se souvienne de vous. May God remember you. Nous vous aimons beaucoup. We love you a lot. Que Dieu vous garde au nom de Yeshua. Amen. May the Lord keep you.